I'm sick of grinding my teeth and I've been feeling so weak. Think I'm down for the count, feel like I'm running on empty. Yeah, I'm going down but I won't let it kill me. So I'll hang on until I die. I'm wide awake, I won't find peace tonight. So you can watch me drown, I'll be just fine. I got a lot of fight left to me this time. You can't use me up no more. You can't use me up no more. You can't use me up no more. You can't use me up. Swear I'm always going through these cycles. Been so fucked up in my head. I could just stand it all tomorrow. I keep going on instead. With my past and all my problems, I'm weighed down by my regrets. I could just stand it all tomorrow. I keep going on instead. Going through cycles, it's a downward spiral. One day I'll be fine and the next I go psycho. You're better off without me, so I'm leaving. Maybe I'll be better by the weekend. So you can call me when I'm dead. All the voices in my head never calm me down, never calm me down. Sick of living with this dread and I'm sorry I upset you. I'm sorry now, yeah, I'm sorry now, yeah. You can't use me up no more. You can't use me up no more. You can't use me up no more. You can't use me up. Swear I'm always going through these cycles. Been so fucked up in my head. I could just stand it all tomorrow. I keep going on instead. With my past and all my problems, I'm weighed down by my regrets. I could just stand it all tomorrow. Off, I'm feeling real right. Probably hit the city, engine bouncing off the windows. Switch the gears and hit it, I don't care where we go now. I just hit the gas, now we're sliding on the freeway. Don't know how to act in the Lambo, it's a speedway. I feel like a rebel, hit the paddle, press the pedal. You the angel, I'm the devil, now we're all and more. Il a vu on the dashboard, wanderlust lips got stamps on the passport. Act like you know me, I don't think that you do. I think that I'll be alright as long as I'm in with you. Cruising in a whip, bands dance on the dashboard. Wanderlust lips got stamps on the passport. Act like you know me, I don't think that you do. I think that I'll be alright as long as I'm in with you. Baby, can you call me back now? Can you give me some time? I just needed an excuse to make some melodies. I don't really care about the past now, cause you're all mine. You got everything I need, girl, you're my remedy. Hold up. Yeah, I'm barely going in, I'm barely zoning in. They put me on the map and now I'm rolling in it. I've been rolling around town, around the city, bumping some brand new tracks. You don't really wanna be me, this stuff looks easy. But I've been living this night and you see me. Et salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, je suis pas sur la bonne window, mais on y est. Bienvenue mesdames et messieurs dans On refait fait le match, le live éducatif analyse, et aujourd'hui on va s'attarder à la, sur la Camden Cup, la troisième journée de la Camden Cup. Vous fait merci encore Amaz, un maximum de verres pour Amaz s'il vous plaît, quatrième mois au sein de la communauté, le videur de la buvette bien sûr, quel homme. Et salut tout le monde, hein, ceux que j'ai vus ce matin, qui étaient là dans la matinale, ceux qui viennent d'arriver, qui sont là pour du Overwatch, Fieldrain, Recarnage, salut Confiture, salut Sam, salut Froflox, salut Blacktead, salut Avaria, Yo Sersois,
Yo, Barberoche, Ainslash, Gabol, bonjour à tous les potes, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez envie de vous faire un petit peu d'analyse. Alors attendez, hop, par contre ça je l'enlève, tac, un petit peu d'analyse parce que on part sur, on refait fait le match, le format où on fait de l'éducatif, où on discute du jeu. Et merci Gabol, moi numéro 2, Gabol, il est des nôtres. Yo Vassil. Et yo Scorco. Let's go là-dessus, un maximum de verre pour Gabol également. Mais c'est déjà un train de la hype, mais c'est fou. C'est fou, on vient à peine d'arriver, mesdames et messieurs. Seiko, Jisama, qui lâche son Twitch Prime aussi. Merci beaucoup, bienvenue dans la communauté des pépites. Bonjour à tous. Il n'y a plus de sub goal, vous l'avez détruit ce week-end, les gars. Il n'y a plus de sub goal, on peut pas. J'ai plus rien en stock. Vous l'avez déjà détruit. Laissez-moi travailler sur l'émission spéciale pour faire gagner le maillot feu-fé. Bande de malades. Non, vous êtes au top, vous êtes au top. Merci beaucoup. Et merci d'être déjà si nombreux pour démarrer ce live. Et déjà si, aussi en forme pour commencer ce On refait fait le match. On refait fait le match avec, je l'ai dit justement, un focus sur la troisième journée. La troisième journée de la Countdown Cup. Deux matchs vont nous intéresser aujourd'hui, Toronto Defiant contre Philadelphia Fusion. Et on ira regarder un petit bout aussi de Gladiators Paris, notamment la map de Busan qui m'a beaucoup plu et qui était très intéressante en termes de gestion de l'espace. Mais il y a eu un match sur lequel on était avec Nico dans la buvette, on a discuté, j'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder sur la stratégie, sur l'analyse. Du coup, ce match entre Philly et Toronto qui était très one-sided, hein. Philly globalement a largement dominé. Merci pour le host Microkata et merci pour le follow exactement, et également Mirko Kata d'ailleurs. Salut à toi, bienvenue. Avec plaisir, après un match de Paris comme celui-là, il n'y a qu'une chaîne de stream à regarder. Merci Fenris, très sympa. On verra, là pour le moment c'est ça le programme les gars, après on verra si on fait autre chose, mais j'avais envie moi de revoir ce match de Philly versus Toronto. Certes il a été dominé, mais j'ai envie de savoir pourquoi, quelles sont les raisons, et après on ira sur le match de Paris, sur la map de Busan notamment, si on a encore le temps, mais ça risque d'être possible. Le programme du jour c'est ça, c'est de l'analyse, c'est de l'éducatif. De toute façon les matchs, vous le savez, ce sont un support principalement. On n'est pas là en mode on revoit les matchs, on n'est pas en mode buvette, on est plus en mode analyse pour de vrai, éducatif. Quels sont les tenants et les aboutissants qui ont permis à une équipe de l'emporter? Qu'aurait pu faire la seconde équipe pour l'emporter, pour renverser la vapeur peut-être? Y aurait-il eu des changements de composition, de la prise d'espace, des rotations d'habilité? L'histoire, le but, c'est de développer un petit peu votre game sense pour vous en tant que joueur individuellement, mais aussi en tant que spectateur, histoire que quand vous regardiez des matchs, vous ayez un petit peu l'œil affûté pour vous rendre compte de ce qui fait la différence dans un teamfight et que vous soyez des analystes incroyables et qui donnez des conseils de fou à nos joueurs pour les faire progresser. Vous avez compris. T'avais ouvert la bière, vous pouvez ouvrir la bière, hein. Y a pas de problème, vous pouvez ouvrir votre bière. Salut Dracofiot, très très joli nom, hein, bien évidemment. J'ai un moment de mal à gérer Busan en tant que main off Diva Sigma. Alors refaisons ce match pour apprendre un peu. On y viendra Fenris. On va d'abord démarrer par justement ce Philly Toronto qui était très intéressant et qui a vu Philly dominer les débats contre Toronto Defiant. Et j'ai envie donc de voir pourquoi. Je suis en Allemagne en plus, une bière ici c'est 1,50€. Oh la vie, quelle vie. Et on a de la chance parce qu'il y a déjà toutes les maps dans le viewer, donc on va pouvoir partir directement. J'ai vérifié tout à l'heure avant de lancer, cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir. Et toutes les maps étaient déjà disponibles sur mon viewer. Du coup on va pouvoir entrer dans le match directement et dans l'analyse également. Je vais simplement recentrer ça là, parce que ça me stresse. Hop, qu'il ne soit pas au milieu. Mais c'est bon. Féfé, je sais pas si tu en as parlé, mais ça peut être sympa de rappeler que les Contenders commencent ce soir. Tout à fait, hein. Vous avez le point d'exclamation Casternest, merci Scorco pour être aussi rapide. Les matchs des Contenders qui seront diffusés sur YouTube par Casternest, casté en français. Et vous avez donc le point d'exclamation, pas Casternest, mais bien Casternest. Et il l'a mis, hein, Scorco. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez aller regarder les matchs des Contenders. Bonjour, Carcol. Salut à tous, hein. Dès 20h, à la fin du live. On fait de l'analyse, là vous avez 2 heures d'analyse pour vous échauffer. Et après, derrière, vous pourrez aller voir les Contenders si vous le souhaitez. En tout cas, let's go là-dessus. Première map où on voyait Philly et Toronto s'affronter, c'était sur cette map de
de village, Népal village. Et déjà, on avait un truc qui nous a fait plaisir, le retour de Poco dans l'effectif de Philadelphia. Poco qui avait fait son retour, qui avait fait une map lors du match précédent et là qui va en faire deux dans cette rencontre. Poco qui faisait son retour. On va aller observer un petit peu Sazaria et notamment les différences de charge avec Lazaria de Nevix. Si on regarde en termes de composition, juste le temps que les équipes démarrent, on va faire comme à chaque fois, avant de démarrer dans l'analyse micro, on va se faire de l'analyse macro et regarder un petit peu eh bien, les compositions et quelles sont les win conditions. Hein. Quelles sont les win conditions de part et d'autre. Alors, déjà tout de suite, ce qu'on peut remarquer au niveau des deux équipes, c'est qu'on joue des compositions Zarya en tant que off-tank. Le retour de Zarya dans la méta qu'on a vu récemment dans la source pendant cette countdown. Tu es sûr que le retour de Koto fait plaisir? Lol. Ouais, bah oui, il fait plaisir. Oui, non, mais voilà, après le banter, c'est du jeu. Même moi, on a joué un petit peu, on s'est envoyé des petits messages. Mais il fait bien évidemment plaisir, le retour du joueur français dans l'effectif de Philly, même s'il s'est permis de dire que Toronto n'était pas une bonne équipe, ça fait partie du jeu, c'est le troll un petit peu. Kelex a signé chez Hurricane. Intéressant ça, Polymath. Je ne savais pas. On en parlera demain dans les news et d'ici là, j'aurai posé quelques questions à l'ami Kelex pour savoir ce qu'il se passe. Poco, le salaud, il a trash talk, je le hais. Comme si c'était le cas, Marine. On sait très bien que toi, ça a dû te plaire. Hein. Toi, ça a dû te plaire de voir un petit peu de trash talk. On le sait très bien, Marine. On sait très bien que ça t'a nourri. Ça t'a nourri plus qu'autre chose. Je le hais. Je ne te crois pas une seconde. Pas une seconde, Marc. Mordorien, j'en vois tellement d'outrés sur Twitter. Ah bah ça, mon gars, c'est du second degré, même moi. Hein. Genre, j'avais envoyé un petit « tu me fais de la peine » et les gens l'ont pris premier degré. Certaines personnes l'ont pris premier degré. Mais bon. Du coup, en termes de composition, on a déjà deux styles de jeu qui s'opposent. En termes de backlane, on a des Moira Lucio de part et d'autre. Moira Lucio de part et d'autre, ça veut dire qu'on va devoir globalement réduire la distance. Les deux équipes vont jouer sur des compositions où ils vont devoir agresser rapidement. En tout cas, sur le papier, c'est ce qui semblerait comparé à des compositions Brig Zen. Cependant, on a des petites différences, notamment la présence d'un côté d'un Reinhardt et en face d'un Winston. Et ensuite, on a un McCree que j'aime beaucoup et un Genji. Voilà. Donc la composition de Toronto, elle me plaît bien sur le papier, mais je préfère le Reinhardt. Personnellement, sur la map de village, notamment parce que le Reinhardt peut mettre beaucoup de pression sur le point, et une fois que tu as le contrôle de l'espace, je trouve que Reinhardt, de manière générale, est assez fort. J'ai d'ailleurs posé la question à Nico quand il est venu dans la buvette hier, pourquoi Reinhardt a disparu par rapport à Winston, et c'est vrai que finalement, ils n'avaient pas tellement expliqué les raisons, et même ses coachs ont fait le choix de partir sur Winston, mais Reinhardt pouvait rester viable, et Reinhardt a été joué, et on l'a beaucoup vu sur les maps de KOTH, les maps de contrôle d'ailleurs. Donc le pick Reinhardt qui était encore viable dans la méta actuelle. Et le choix là de Philly de partir sur un Reinhardt qui va leur permettre au close, hein, une fois la distance réduite, de faire plus de dégâts. On a clairement beaucoup beaucoup de personnages qui veulent réduire la distance et jouer au close avec ce Reaper, avec ce Reinhardt, comparé en face à un Winston et un McCree par exemple, qui vont être des personnages qui vont devoir poke un petit peu plus. Pourquoi McCree est bien? Déjà parce qu'il peut gérer la Tracer à lui tout seul, il peut jouer slow, et après on a le Genji d'Agility, ce qui lui aussi peut s'adapter. Donc certes on a une backlane Moira Lucio de chaque côté, mais on a des Toronto Defiant qui globalement avec ces trois personnages doivent jouer légèrement plus slow, ils doivent être plus lents que Fusion avec ces trois personnages qui peuvent se permettre eh ben, eux de réduire la distance tout le temps et de continuer de brawl, continuer d'agresser. Le risque pour Fusion, c'est une fois arrivé dans l'open, voilà, de prendre des dégâts très tôt et on voit déjà l'arme qui est très très low. Donc le premier fight qui va être très important, Fusion va devoir être très discipliné sur justement la réduction de la distance, là où Toronto va pouvoir se permettre de prendre un petit peu des off-angle et mettre des dégâts de manière un petit peu plus slow. Yo Benofox. Allez, c'est parti, on lance et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. En tout cas, un plaisir d'avoir le viewer déjà disponible et d'entrée, voilà, win condition
Alarm qui était dans l'open, Logix qui a pu récupérer un kill très très vite. Et là par contre, quand on a l'avantage, en plus c'est Moira qui tombe, Toronto qui va faire la bonne chose, c'est-à-dire décider d'agresser. Philly qui recule logiquement. Maintenant, le point n'est pas encore développé, débloqué, il reste 21 secondes. Donc ce pick est limite trop early. Hein. Alors il n'y a pas de pick trop early, mais la réalité des faits, c'est qu'on ne va pas pouvoir cap côté Toronto. Dans les 21 secondes, Fusion devrait avoir récupéré sa Moira. Du coup, là, si vous êtes Toronto, jouer au close, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que même si, alors à la limite, Numlock peut jouer au close, mais on doit essayer de les laisser commit dans l'open et récupérer un kill, un pick comme on vient de le faire à l'heure actuelle. Donc l'idée, ce serait de contrôler l'espace tout autour des positions possibles par lesquelles Fusion peut passer, donc soit le top, soit le centre, mais on ne veut pas en tout cas jouer comme si on jouait avec un Reinhardt avec toute l'équipe qui bloque un choke. Ça n'a pas d'intérêt. Toronto qui doit rester dans l'espace et attendre que Philly rentre dans son open pour pouvoir récupérer un kill, mais il n'y a pas de Reinhardt. Ils ont des personnages qui vont faire beaucoup de dégâts une fois la distance réduite. Voilà l'objectif. Je n'ai pas à boire malheureusement Gabol. Et on voit, on joue sur les tops, c'est très très bien. On va continuer à mettre des dégâts. Philly qui va rotate pour aller sur le point. Ça aussi c'est bien. Philly qui n'a pas envie de jouer dans l'open. Hein. Philly qui a envie de profiter de son pick Reinhardt et qui a envie de mettre de la pression sur le point. Donc la rotation qui a été faite, un petit peu trop facile d'ailleurs. Hein. Je tiens à préciser, pour moi cette rotation là, elle a été un petit peu trop facilement exécutée par Philly. Il aurait fallu peut-être que Numlocked engage ici au milieu pour les splits. Ils n'ont rien qui puisse stun Numlocked. Il aurait été libre de s'échapper. Il y avait des bulles de sa propre Zarya. Pour le coup, j'aurais préféré que Toronto ne laisse pas cette rotation se faire d'elle-même. Parce qu'une fois sur le point, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir justement des off-angle et de l'espace pour récupérer des picks. Yo Esteban, comment tu vas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme à chaque fois. Hein. Si vous avez des questions, c'est le but de On refait fait le match, c'est de communiquer et de vous aider à comprendre des choses. Donc s'il y a des points sur lesquels je n'ai pas été assez clair selon vous, ou si vous y a des points que vous aimeriez élucider, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Kras, Corco qui rembourse les pépites, le boss. Et là du coup voilà, le Macri qui, une fois la distance réduite, ne peut rien faire. Et on a récupéré un pic et un second, et Philly qui va tout de suite essayer de snowball et de continuer de réduire la distance pour aller récupérer les kills. Bonne rotation de la part de Philly. Et malgré un premier fight remporté par Toronto, eh bien c'est Philadelphia Fusion qui va avoir l'avantage sur ce premier point. Une bonne réaction de la part de Toronto. On switch sur un Reinhardt également. Mais on va devoir jouer beaucoup, enfin toujours plus passif hein, avec cette combinaison de DPS par rapport à cette combinaison de DPS. Et là, Fusion, eux, ils peuvent se permettre de jouer au close comme ça et de tenir les chocs parce qu'ils ont un Reinhardt, parce qu'ils ont un Reaper. Et ça va être difficile de sortir pour Agilities et pour Logix face à cette composition de Philly. Donc la rush, vous voyez la rush qui est tout à fait viable encore sur pas mal de maps. Hein. Le rôle d'ici de Carpe, c'est de récupérer les kills ou d'agresser constamment. C'est d'être un nuisible dans la backlane, Carpe. Et le reste de l'équipe agresse en front lane. Graviton qui est utilisé très très tôt par Poco. Et malgré la coalescence, on va réussir à récupérer un pick. On les a pas laissés commit dans l'open parce que justement ils ont un petit peu plus de poke. Bon travail là de la part de Philly. Et après ils ont une coalescence qui arrive plus tardivement que celle de Kariv. Et ça c'est bien joué. Kariv qui a utilisé sa call pour survivre au grave, c'était la seule solution pour Toronto étant donné que Cruz n'avait pas encore son beat. Si Cruz avait eu son beat, il aurait fallu utiliser l'ulti Lucio. Hein. N'essayez pas de contrer de manière générale les gravitons avec les ulti Moira. L'ulti Moira, c'est rare que ça permette de survivre à un ulti aussi fort qu'un graviton. Utilisez-le s'il n'y a rien d'autre, hein, bien évidemment. Allez pas juste mourir sur un grave. Mais si vous avez un ulti Lucio, c'est l'ulti Lucio qu'il faut prioriser contre un graviton ou un ulti Zenyatta. Yo Hammer, comment ça va? Moira, c'est à l'engagement. Oui, Moira, c'est un ulti que vous pouvez utiliser de manière agressive pour couvrir justement une prise d'espace. Pépé, en vrai, il faudrait que tu poses des questions à celui qui répond bien en premier. Tu rajoutes 100 pépites. Alors, je ne peux pas faire ça, que je sache. Je peux pas rajouter des petites pépites comme ça. Ce n'est pas une fonctionnalité qui existe sur Twitch.
que je sache. En équipe à niveau correct, en ranked, call dans le grave, c'est presque toujours bon. Ah oui, mais pas en Overwatch League. Pas en Overwatch League, les gars, ce n'est pas un move qui est totalement bon parce que la plupart des équipes, justement, vont faire en sorte de détruire de manière synchronisée ce qu'il y a dans le grave et c'est pas une coalescence qui va tenir en vie s'il y a une agression collective de la part d'une équipe sur des targets qui sont dans le grave. Donc la colle, vous l'utilisez, mais si vous avez un ulti Lucio, c'est beaucoup mieux d'utiliser un ulti Lucio de manière défensive. On n'en a pas parlé, c'est demain les news. Mister Gavio à 14h et on parlera justement de toutes ces news et du retour de Kelex chez British Hurricane. Une breaking news hein, qui est tombée pendant le début de l'émission et on en parlera, vous inquiétez pas, demain à 14h dans les news comme tous les mardis. Philly qui va rester au close une fois de plus. Moi je m'intéresse à la charge, donc Poco qui revient ici, on va voir comment il utilise ses bubbles et est-ce qu'il va avoir une charge rapide. La discipline des équipes par rapport aux Zarya, c'est quelque chose que... Les deux Zarya sont à zéro là pour le moment, que ce soit Nevix ou Poco. Elle est déjà à 30. Nevix qui est à 45 aussi. On a vu les équipes qui avaient perdu les bonnes habitudes de charger, de pas charger les Zarya. Ouais, on prend 50 là-dessus. Il avait utilisé sa barrière projetée. Et Nevix est déjà à 100. Et ça fait un max de dégâts. Et finalement, vous voyez, là, Nevix, il a pu aller chercher Poco. Il était beaucoup plus chargé que son adversaire. Et dans ses compositions Reign Zarya, le fait que la Zarya la plus chargée va pouvoir vraiment s'exprimer. Même si là, Issou a failli clutch là-dessus. Au final, le premier pick a été récupéré par l'équipe qui avait la Zarya la plus chargée. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Vous devez vous positionner comme quelle est la win condition. Et généralement, alors, Fusion a bien joué en allant sur le point. Le fait de sortir du point et de se mettre dans un open, c'était pas forcément la bonne solution face à la composition Genji Macri. On aurait peut-être simplement pu rester sur le point et engage, on va dire, au close. Pas aller dans l'open trop deep, parce qu'on est sorti trop loin du côté de Philly. Notamment Poco qui était ici et qui a dû prendre un duel face à Nevix. Et la win condition ici, Toronto, s'ils sont chargés au niveau de la Zarya, et qu'en plus ils ont deux personnages qui poc plus, ils vont pouvoir se faire plaisir et mettre de la pression de manière assez passive et progressive. Alors que là, du coup, du côté de Philly, il faut agresser tout le temps un petit peu. Et c'est pas très bon de jouer dans l'open. Et c'est encore moins bon. Et c'est là où on voit qu'il y a un léger manque de discipline sur la charge de la Zarya. Parce que Toronto est obligé de poc. Donc normalement, on devrait charger Poco indirectement. Ils devraient être obligés de charger Poco à un moment parce qu'ils sont obligés de poke. Là où en réalité, Fusion, s'ils jouent sur le point pendant les phases de pré-fight, il n'y a pas réellement de poke du côté de Fusion. Donc Nevix ne devrait pas être chargé. Et on devrait démarrer les fights et agresser un grand coup. Et Nevix devrait être à 20 de charge maximum. Attendre que Nevix utilise ses bubbles, on ne le charge pas et derrière on agresse. Parce qu'il n'y a pas besoin de poke. Il n'y a pas moyen de poke du côté de Philly. Le point qui va quand même être récupéré du coup par Toronto. Poco qui revient tout juste du spawn. Et finalement Philly qui en revenant et en jouant bien ensemble va pouvoir quasiment récupérer le point instantanément. Malgré le fait de s'être fait pique, il y a eu un bon taxi hein, de Feni Astro. Et le retour de Lazaria. Poco là qui est en train d'enchaîner les kills même s'il n'est pas chargé. C'est lui qui a récupéré les deux piques. Et il avait son grave après. 1-0 pour Philly sur cette map. Qui a été mieux géré en termes de gestion d'espace. Hein. Je vais revenir rapidement dessus. Tac. Quoi? Ah d'accord. Bah, on pourra pas revenir dessus. Quel enfer. Qu'est-ce que c'est que ce système? C'était la deuxième map? Pourquoi on a démarré par la deuxième? N'a aucun sens. Ils nous ont mis village en premier. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Peut-être le viewer qui nous fait des folies. Yo, Soulgrim, comment ça va? Et oui, il me semble d'ailleurs que celle-là était là. Je ne sais plus. Nous verrons. C'est pas bien important. Mais en gros, c'était la gestion de l'espace. On joue avec une des... Merci d'ailleurs, Soul. Merci beaucoup pour ton Twitch Prime. Let's go là-dessus, tu nous rejoins dans la communauté des pépites. Tu es des nôtres. Un maximum de verres, s'il vous plaît.
Let's go là-dessus. N'hésitez pas à spammer les verts. Hein. C'était la deuxième, d'accord, comme je vois qu'il y a 0-0 au score, je me posais la question. Mais tant mieux, du coup, on suit la continuité. Fusion qui jouait quelque chose de beaucoup plus aggro, qui devait jouer au close et qui pouvait se permettre de tenir les chocs. Là où Toronto, eux, jouaient quelque chose de plus slow, c'était difficile de retake avec la compo de Toronto. Et on a vu que Fusion avait mieux respecté la win condition et avait fait des rotations assez propres. Hein. Notamment la rotation sur le premier point, sur le premier fight, Philadelphia qui avait fait une très bonne rotation, qui aurait dû être contest, je pense. Non pas que la composition de Defiant n'était pas bonne, hein, pour le coup, j'ai vu pas mal de messages sur Twitter en mode « Ouais, pourquoi ils ont joué ça ?» Pour le coup, la composition de Defiant avait des vraies win conditions, c'était plus dur dans les retakes, mais une fois que tu avais les positions, tu pouvais te permettre de poke assez lourdement et justement jouer avec Tazaria, jouer avec ton McCree et gagner les fights autour de ça. Malheureusement, les joueurs n'ont pas parfaitement exécuté la win condition nécessaire et Fusion a réussi à gagner des fights. Tralala, let's go, Scorco. Ça fait plaisir, ce genre d'information. T'es tellement en avance. T'as pris tellement d'avance sur Temtem. C'est incroyable. Donc, deuxième map, c'est cette fois-ci, c'est Elephant et... Pardon. Ah non, mais on est retourné là. Regardez ça. Quelle folie. Ils sont retournés là. Je me disais, logique, ça a pas encore pique. Bah non, on va avancer. Voilà, on y est. On y est sur Elephant. Petit bug du viewer live. Hein. Petit bug du viewer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Zephyrev, c'est fort. Hein. C'est fort, Dorak et Scorco. Hein. C'est très fort. C'est très méta aussi. Poison vol. Du coup, là, en termes de composition, cette fois-ci, on se retrouve avec un Rain directement disponible du côté de Toronto. Et j'aime beaucoup ce que fait Toronto là. Pourquoi? Pourquoi j'aime beaucoup? C'est parce qu'on joue une composition. En tout cas, ces quatre personnages vont être des personnages de composition anti-dive. Hein. On a un Reinhardt, une Zarya qui sont des personnages de rush. On a une backlane Brickbap qui est la backlane la plus dure à dive du côté de Toronto Defiant. On a toujours Brady sur Genji qui fait un petit peu ce qu'il veut, qui va être l'électron libre de cette composition. On a quelque chose de très solide face à de la dive. McCree qui a une flash et qui peut être vraiment ennuyant pour les personnages qui souhaitent dive. Et en face, du côté de Philadelphia Fusion, justement, on joue avec cette composition Tracer, Sombra, qui justement sont des personnages qui doivent dive, en tout cas qui doivent essayer de connect sur une target. On va avoir très peu de sustain sur la frontline avec cette brigue Zen. Et ensuite, on va avoir les deux petits potes qui représentent la front là. Avec toujours cette Zarya, la Zarya qui équilibre un petit peu la composition, mais les trois personnages ici qui sont des personnages quand même qui veulent aller chercher des targets et ils vont pas pouvoir connecter sur grand chose. Hein. Ils vont vraiment pas pouvoir connecter sur grand chose. McCree est une cible qui peut être assez faible, on va dire assez squishy, mais si toute l'équipe pile pour le général, comme on dit, ça devrait être compliqué de le tuer. Il y a beaucoup de sustain, il y a une backline très solide. Toronto une fois que Toronto aura pris l'espace, ça va être très très dur pour Philly de connecter sur quoi que ce soit. Et là, la win condition de Toronto, c'est d'aller mettre de la pression sur ces deux bonhommes, sur Sado et Poco, histoire de faire en sorte qu'on se fasse out-heal, tout simplement. C'est dur d'aller chercher une Sombra, c'est dur d'aller chercher une Tracer. La backlane, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas pouvoir connecter quand toi, t'as pas de Lucio. Donc, tu veux mettre de la pression sur la front. Et comme ils ont Brigitte et Zen, ils n'auront pas la capacité nécessaire pour heal suffisamment, leur front lane. Et tu devrais gagner simplement en jouant autour de la pression du point et de la pression sur la front lane. C'est en tout cas ce que doit faire Toronto sur cette map. Et on voit qu'on prend tout de suite l'espace. Hein. Il y avait une bubble qui a été mise sur Monkey. Alors j'ai envie juste de mettre pause une demi-seconde là pour avoir Nevix qui est à 17. Et la bubble sur Monkey, voilà. Là on a un petit peu trop chargé la bubble qui avait été mise sur Sado. Après, il est déjà à 35 Poco. Après, comme je disais, il faut mettre de la pression sur la front. Donc naturellement, on aurait peut-être pu être un petit peu plus discipliné parce qu'on savait que les bubbles étaient dispo vu que c'était le premier fight. C'est dommage de l'avoir chargé à 35. On voit Nevix qui est seulement à 17. Mais sinon, Toronto joue bien et Toronto va tout de suite venir mettre de la pression sur le point. Attention là, à ça, là, les discords. Quand t'es un squishy qui doit cross, attention à pas prendre la max quand même. Voilà, on fait le tour. Hein. Vous avez vu ? Juste au moment où je dis attention à ça, ce passage-là, il est dangereux. Hein. Ce passage-là, il est dangereux. Hein. Quand tu as toute l'équipe adverse ici et que tu dois cross comme aurait dû ou pu le faire Logix,
Il faut absolument que ton Reinhardt soit devant avec un bouclier pour te faire passer. Sinon, tu fais ce que vient de faire Logix là à l'instant. Tu fais le tour et tu passes par l'escalier. Tu fais le tour et tu passes par l'escalier. Il n'y a pas de meilleure option. Et faites attention, hein. Des fois, ça vaut le coup de faire des rotations plus longues, mais moins risquées que de faire une rotation courte. Mais vous allez prendre la max en termes de risque, surtout contre des compositions où il y a un Zenyatta. Vous pouvez disparaître comme neige au soleil, fondre comme neige au soleil, vu que vous avez une orbe de Discord sur la tête. En effet, passe de pot, t'es pas en retard. Dans quelle compo tu prends un BAP à la place d'une Moira et inversement? Moi, j'aime beaucoup ces backlanes là. Ça dépend vraiment de ce que joue l'adversaire, mais pour moi, c'est BAP Brick, c'est vraiment une très très bonne backlane. Moira Lucio, ça va être des compositions où tu vas vouloir brawl tout le temps sur des maps où tu vas dire que tu vas pouvoir réduire l'espace tout le temps et du coup créer le combat tout le temps. BAP Brick, ça te permet de jouer un peu plus passif et ça te permet de jouer un peu plus défensif. T'attends qu'on t'agresse, tu peels et ensuite tu vas fight back. C'est eux qui réduisent la distance, toi tu peels dans un premier temps. Et après, tu te bats. Là, il y a eu un bon choix de composition du côté de Toronto, selon moi. Re Mario Yugi, comment ça va? Pourquoi on garde la Tracer? C'est le first fight. C'est le first fight, passe de pot. Pour le moment, Philly n'a pas eu l'occasion de changer. Brawl, pour moi, c'est des compositions Brick Bap. Rush, c'est des compositions Lucio. Pour que ça soit une vraie rush, il faut qu'il y ait un Lucio. Pour que ça soit une vraie rush, il faut qu'il y ait un Lucio parce que ça veut dire réduire la distance, speed boost et on engage. Brawl, c'est plus des compositions qui vont encaisser. Tu es plus beau qu'hier, serait-ce grâce aux 1000 subs? Non, ça n'a pas d'impact sur mon visage ou sur quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça a eu un impact sur mes émotions. Hier soir, c'était très cool. Vous avez été incroyable encore une fois. Et merci encore les potes. Allez, c'est reparti. Pour le moment, c'est le first fight. Ils doivent essayer de gratter. La Philly qui doit essayer de prendre de l'espace autour de Toronto, espérer qu'il se split un petit peu. Et ensuite, aller récupérer un kill sur une target isolée, alors qu'il faut mettre de la pression, voilà, sur Sado, sur la front lane côté Toronto, et mettre de la pression sur le point. Et c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire. Ils vont récupérer le point et on voit que Philly a du mal, hein, a du mal à prendre l'espace. Ils essayent de charger un IM de Yisou parce que ça se charge assez vite quand même. Oh, Logix, attention là. Et on va réussir à récupérer la Brigitte qui était un petit peu trop close. Et toute la backlane, hein, qui disparaît là-dessus. Je pense que la backlane était trop proche du côté de Fusion. Et après, le problème, c'est que Brigitte, elle a envie d'avancer parce que son seul moyen de faire du heal, c'est si elle arrive à mettre des dégâts au corps à corps. Et là, finalement, Toronto qui va remporter ce fight assez facilement, finalement. Yo, j'agonise, comment ça va? Salut, Basaka. On va avoir un IEM. Alors, vous avez vu, hein, quand même, par contre, la vitesse à laquelle Issou a chargé son IEM, assez impressionnant, hein. On a eu un fight, Poco aussi qui a chargé très très vite son graviton. Généralement on va dire qu'on charge assez vite contre des gros tanks comme ça. Et surtout contre des compositions où tout le monde est pack. Parce que la composition de Toronto, ils doivent être pack. Ils doivent jouer les uns avec les autres. Donc ça permet à Poco, ça permet à Issou de charger assez vite leurs ultimates. Néanmoins, voilà, hein, la backlane qui a fait du bon travail. Kruse aussi qui a pu charger, vu que il y avait tout le temps Tracer en train de venir, Sado aussi en train d'agresser. Du coup, lui, ça a été simple pour lui de mettre des grands coups de fléau pour charger son rallye. Funiastro, vous voyez, eh bien, il pouvait pas se permettre d'avancer avec leur composition. Donc, ça a été beaucoup plus dur pour lui de charger son ultimate. Et en plus, il s'est fait récupérer assez tôt, vu qu'il était un petit peu trop close. Il était obligé. Il était obligé. Même Alarm est pas mal. Alarm, lui, il s'en fout. Il peut tenir la distance et mettre des grands coups de. Enfin, des. Il peut faire Zenyatta Cheat, hein. Il peut mettre des orbes de Discord et envoyer des boules dans la tête de ses adversaires parce que lui, là, il garde la distance, il n'a pas besoin de se rapprocher. On voit ce que le personnage qui a eu besoin le plus de se rapprocher, c'est Brigitte. Il n'a pas pu le faire, du coup, il n'a rien chargé. Et quand il s'est rapproché, il s'est fait récupérer. Là, il y a l'UM, il faut essayer de jouer autour Toronto qui devrait se split et voilà, regardez Kruse qui se cache, hein. Kruse qui se cache, il joue comme un Lucio, il se cache pour l'IUM, il va rallier au moment où on va utiliser l'IUM dissous. On a l'information, on utilise une window, ça permet de gagner du temps, l'IUM qui est lâché, hop, le rallye instantanément. Rallye instantanément de Kruse, et derrière, on pile pour Sado, on met la pression sur la front. Ça, c'est très discipliné, très bien joué de la part de Toronto, et on va gagner le fight là-dessus. C'était exactement ce qu'il fallait faire, hein. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Utiliser le rallye pour contrer l'IEM, c'était la seule ressource défensive qui permettait de le faire. J'ai beaucoup aimé finalement la window Tracer Lead qui arrive aussi, parce que ça a mis un peu de la pression
sur l'équipe qui n'a pas pu commit quand on a utilisé l'UM. Philly a utilisé l'UM qui a touché les joueurs de Toronto, mais le fait que la Windows ait été active avant même que l'UM soit utilisée, Philly n'a pas pu commit sur cette UM. Du coup, ça a laissé le temps à Cruz d'utiliser son rallye et de revenir avec son équipe. C'est quoi le rôle de Brig dans une BAP Brig? Généralement, dans les BAP Brig, c'est toi qui vas être récepteur de l'agression. Donc, on va venir agresser ton équipe. Brig, elle va être là pour utiliser son fléau, faire du heal de zone. Elle va pas avoir besoin d'avancer trop et de connecter trop. Elle va être là pour peel pour tout le monde un petit peu, quelle que soit la target qui se fait attaquer. Mettre des petits pockets sur les DPS, sur le Genji quand il part avec ses packs d'armure, sur un McCree s'il commence à être low. Elle essaye de garder l'armure pour ses DPS de manière générale, parce que c'est eux qui, qui sont les plus squishy et l'armure c'est vraiment appréciable sur les squishy. Donc c'est plus aussi fort qu'avant parce que ça peut pas se stacker par rapport au PV, donc il faut attendre qu'ils aient pris un peu des dégâts. Mais voilà, la brigue elle est là, elle peel et elle balance des armor packs sur ses DPS. Dans une brigue BAP. Dans une brigue Lucio, c'est un peu différent parce que elle va pas pouvoir autant pocket ses DPS. Sa frontline a vraiment peu de sustain. Hein. C'est pas le Zen à lui tout seul qui va heal toute la front. Donc elle va devoir envoyer des packs d'armure un petit peu sur sa frontline aussi. C'est pas exactement le même gameplay de Brigitte. N'hésitez pas hein, les gars si vous avez des questions. Hein. Souvent c'est des questions que naissent des réflexions qui donnent des réponses un petit peu à tout le monde. Là on a vraiment pas mal de ressources. Du côté de Toronto, va y avoir la transcendance quand même pour contrer le graviton de Nevix. Poco qui va avoir son grave aussi. Il y a Issou qui veut jouer autour d'un bon hack. Et là, il a réussi à hack Karim. Ça, c'est un très très bon hack de la part de Issou. Mais il y a un pile. Regardez le pile. Hein. Tout le monde qui pile les uns pour les autres. On avait eu le temps d'utiliser le drone qui arrive. Les doubles gravitons. Nevix qui va tomber. Il y a Poco qui est très chargé là. À 70. Qui va brûler. Le joueur français là qui va se faire plaisir. C'est pas Agilitis qui va l'emmerder. Il a ses deux bulles. Il a ses deux bulles Poco. Et Philly qui va retake. Hein. Philly qui va recap. Mais Toronto avait fait du super boulot. Avait fait du super boulot jusque là. Ils ont gaspillé des ressources certes. Mais il va leur rester leurs deux ulti support et la blade. En même temps ils ont été un petit peu obligés d'utiliser des ressources pour renforcer aussi du côté de Philly. On n'est pas trop mal. Fefe pour l'IM, il aurait pas été mieux de le lancer dans la zone. Qu'est-ce que tu appelles dans la zone? Sur le point, c'est ce qu'il a fait. Hein. C'est ce qu'il a fait. Hein. Tout à l'heure, Issou, il a lancé son IM sur le point et il y a Cruz qui était là, au niveau du chat, là, juste là. Cruz, il était là. Et du coup, si, c'est ce qu'il a fait. Il l'a mis sur le point, mais du coup, il a eu plein de monde sauf Cruz. Cruz qui était caché, qui a pu venir après avec son rallye sur le point pour tenir tout le monde en vie. Cruz qui a joué comme un Lucio qui se cache pour beat quand il y a un. Il était plutôt à l'entrée. Bah, il l'a fait là où il y avait les joueurs. Hein. Mais il a touché quand même beaucoup de monde sur IEM. Idéalement, oui, il aurait pu essayer d'avoir tout le monde, mais il y a un mur entre les deux, c'est pas simple. Tu prends le risque de pas toucher certains joueurs de Toronto et de te faire cancel, donc c'est pas incroyable non plus. Le rallye, c'est pas du soin, hein, c'est de l'armure. Alors je me rappelle plus exactement le montant d'armure par seconde, mais c'est de l'armure qui se stack. C'est pas des points de vie, donc c'est encore plus résistant que des PV. Je suis rarement attardé sur les chiffres exacts parce que le chiffre va pas t'aider. Tu peux pas dire ah ça donne 50 par seconde, du coup 50 ça permet de contrer les dégâts. Non, c'est tu te dis un rallye ça peut contrer tel ou tel ultimate. Un rallye ça contre pas un grave par exemple. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, plus macro. J'utilise Epic Pen les gars, c'est gratuit, c'est ce petit truc là. Epic Pen, EPIC, plus loin Pen, c'est gratos. Yodadal, salut Fefe, pourquoi ils sont tous mis à jouer son bras alors qu'il n'y a que éventuellement Genji intéressant à hack, pas de Doom, pas de Ball. Ça m'épate comment d'une semaine à l'autre la méta change et sans raison apparente. C'est souvent parce qu'il y a des tests qui se font. Sombra, ça a toujours été. Sombra, c'est un perso qui a toujours été fort. Sombra pourrait être joué tout le temps en réalité, hein. Quelle que soit la méta, quels que soient les compos. Hein. Sauf dans les Poké Brawl avec Orisa Sigma, là elle a un peu plus de mal à s'exprimer parce qu'il y a double shield. Sauf contre des double shields, son bras peut être joué globalement tout le temps, il n'y a pas vraiment de raison. C'est simplement que là, hop, tiens, on va l'essayer, finalement ça marche et on va décider à la jouer. Mais c'est un des meilleurs ultimates du jeu, c'est un personnage qui peut jouer autour des hacks. Mais tu hacks une Zarya, elle ne peut pas utiliser ses bulles, c'est fort. Hein. Tout personnage qui se fait hack, tu hacks un Baptiste, il ne peut pas utiliser son drone, tu peux engage, c'est fort. Tu hacks une Brigitte, elle s'en fout un peu, j'avoue. Tu as qu'un Monkey, il n'a pas sa bubble, il peut pas s'escape, il peut pas jump, c'est très fort aussi. Tu as qu'un squishy, il peut se faire agresser rapidement. Donc pour le coup, ça a toujours été un perso assez fort, Sombra.
sauf contre la double shield, c'était un petit peu plus difficile de la sortir, mais je pense qu'à chaque fois, en dehors des méta double shield, Sombra devrait être présente, et il y a peu de raisons, ça dépend vraiment des affinités des joueurs, mais il y a peu de raisons pour lesquelles on ne la verrait pas. Donc là, il y a un IM de dispo, Fusion, qui doit l'utiliser de manière défensive. Toronto qui fait un switch sur Winston, parce que ça doit être plus simple pour retake et pour engage sur la backlane, notamment pour Zenyatta. Je suis assez d'accord avec ce switch, étant donné qu'il y a un Zen dans l'équipe de Philly. On utilise la window pour prendre l'espace. Le rally, ça fait beaucoup de ressources, si vous voulez mon avis. Étant donné qu'en plus, on va avoir l'IUM. Il y a le grave qui a été lancé. Le drone qui est pas très très bien placé, qui a pu se faire détruire rapidement. Et là, on devrait gagner. Il y a l'UM qui a été lancé par Issou. Le point qui va quand même être récupéré. Mais je pense que vu qu'on a Poco qui est encore chargé là. Nevix a encore envie, cela dit. Hein. Ah là là, il y a eu un très bon stun. Très bon stun de Logix. C'est Logix là, vraiment. Logix diff, comme on dit. Très bon stun. Si Logix tombait sur l'agression de Poco, ça aurait pu être totalement différent. Mais le stun plus le kill sur la Zarya, on manque de DPS côté Philly. Et là maintenant, il faut jouer ensemble, il faut se regrouper. Kroos qui va de nouveau avoir un rallye, décidément. La composition Babrig qui charge très très vite ses rallyes. Karrive aussi, hein, qui a eu deux windows dans le même fight. Karrive et Kroos qui ont rechargé, qui ont utilisé leurs ultimates en début de fight, qui en ont eu un à la fin. Les deux qui ont pu du coup utiliser 4 ulti support dans le teamfight, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est quand même pas dégueu. Et ça, c'est l'avantage de jouer une compo où tu reçois ce que fait l'adversaire. Tu reçois l'adversaire. On va partir sur cette map de Népal. Et là pour le coup, j'aime beaucoup Reinhardt. Là, j'aime beaucoup Reinhardt. Évidemment, si Orisa était là, ce serait de la Orisa comp. Hein. C'est la meilleure map c'est la meilleure map pour jouer Orisa. Et en effet, du côté de Philly, on s'adapte. Et j'aime beaucoup la Reinhardt Sigma sur cette map. C'est une map qui est très forte pour Orisa Sig. Étant donné qu'Orisa n'est pas là, voir Reinhardt Sigma, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Après, je pense pas qu'il s'adapte directement à ce qu'a fait Toronto. Je pense vraiment que c'était la strat de jouer cette compo côté fusion parce qu'elle est naturellement forte. Hein. Elle est naturellement forte. On a deux hitscans qui vont pouvoir jouer comme dans une poke. Hein. Comme dans une poke. Étant donné qu'il n'y a pas d'Orisa, on joue avec un Reinhardt. Mais sinon, c'est une poke standard. Avec quand même une capacité de réceptionner le Genji en face avec une Babrig. Voilà, ça jump au milieu. Ça agresse. Il y a juste à temporiser. Philly qui va pouvoir récupérer l'espace petit à petit. Parce que Philly au final a plus de poke que Toronto. La seule question qui subsiste, c'est est-ce que Nevix va être chargé. Voilà. Si Nevix est chargé, c'est difficile de commit dans la front lane. Sur la front lane de Toronto. Donc il va falloir être très vigilant à ça. La Nevix est bien chargée. Du coup, c'est compliqué pour eux vraiment d'engage ici. Et on est obligé de jouer slow. Et de toute façon, avec ces personnages, c'est globalement obligatoire. Mais on ne peut pas se permettre de venir essayer de brawl au contact. On se ferait détruire par l'Azaria de Nevix. Mais voilà, il faut créer des opportunités. Il faut peut-être aller pressure plus Numlock qui est sur le point en essayant de lui tirer dessus. Essayer de punir un petit peu Agility s'il va trop deep. C'est ce que doit faire Philly. Rodok, ça fit trop et il manque quoi à Rodok pour le revoir en Overwatch League. C'est vrai que ça fit beaucoup les ultimates adverses, Rodok. C'est moins fort que Sigma, c'est moins fort que Zarya. Ça a moins de DPS que les deux. Ça a moins de survivabilité que les deux. Ça fit un peu trop les ultis. Je pense qu'il faut qu'il soit rework, Rodok. On peut le voir. On peut le voir de temps en temps, mais sur des maps très spécifiques ou parce qu'un joueur est vraiment en confort. Mais je pense que Sigma est beaucoup mieux que... Sigma, Zarya sont beaucoup mieux même dans les compositions actuelles. Voire même D.Va. Alors D.Va est un peu trop all-in par rapport à une Zarya. Mais c'est pas impossible. Ben là justement, hein, je vous avais dit mettre de la pression sur Numlock. Numlock a pris tellement de pression qu'il a été obligé de jump in et d'engager un move. Et il est mort. Donc Fusion qui a bien joué, hein, qui n'est pas allé... justement réduire la distance, qui a continué à jouer de loin. On peut pas vraiment pressure ici, donc on décide de pressure ce qu'il y a sur le point. Numlock qui va mourir sur l'agression, et là ça va être compliqué sans Winston parce qu'ils ont besoin de disrupt pour pouvoir engage. Là Philly qui va pouvoir prendre l'espace petit à petit, avancer. Ils sont en plus 1. Regardez Sado, il commit pas tout de suite, hein. Il commit pas tout de suite. On laisse Issou récupérer les kills et on joue avec le POC. C'est bien joué ce que fait la front de Philly là. On n'a pas été trop pressé, on n'a pas voulu commit comme si on jouait une rush.
On sait qu'on a deux personnages qui poke. Il faut essayer de jouer slow. Donc on prend l'espace pour leur donner des lignes de tir, mais c'est tout. Ouais, sur le retake, là, pareil. Hein. Regardez-moi ça. Attends, il y a eu un body block. Il y a eu un body block de Sado, là. Il était nickel. Hein. Si je dis pas de conneries. Numlock, il a voulu engage sur le point. Un petit peu trop tôt, hein. Il voulait délai, je pense. Numlock voulait simplement délai, ouais. Il voulait simplement délai. Mais là, regardez, hop. Bon, il s'est juste fait détruire. Il y a une window, il a même pas eu vraiment un body block. Hein. Il s'est juste fait détruire, en fait. Ils ont forcé, certes, l'ulti du BAP. Et on a délai un petit peu le point. C'était l'idée, hein. De toute façon, je pense pas que Toronto voulait gagner le fight là-dessus. Donc c'est assez ok comme engage de la part de Numlocked. On a pu charger un peu Nevix aussi, je dis pas de conneries, Nevix c'est pas mort. Ah si, Nevix c'est à 0. Je croyais qu'il avait chargé un petit peu plus que ça. On continue de mettre de la pression. Là, le truc, c'est que Toronto, ils doivent réduire la distance, hein, parce qu'ils ont moins de POC que Fusion, mais c'est très compliqué pour eux. S'ils vont sur le point, ils prennent des dégâts sur le côté. S'ils restent ici, ben, le point, ils continuent de charger par Fusion. S'ils viennent dans l'open, ils prennent des dégâts dans la ligne directrice, dans la ligne directe. Du coup, c'est assez compliqué pour Toronto avec leur compo. Et Winston aussi, c'est pas super pratique pour ça. Alors, peut-être prendre du poke, le tank qui arrive et sa window, et reprendre l'espace avec une window, ça paraît plus envisageable, parce que ça va forcer Philly à reculer. Mais là, en vanilla, sans utiliser d'ulti, on n'est pas bien du côté de Toronto. Donc, j'aurais tendance à dire, allez, il faut utiliser un ulti pour prendre l'espace, sinon on prend juste du poke dans l'open. Du coup, avec 1000 subs, est-ce que je peux vivre de Twitch? Alors, ce mois-ci, en effet, ce mois-ci, si tous les mois étaient des mois à 1000 subs, je pense que oui, je pourrais vivre. Je n'ai pas regardé combien ça faisait exactement après taxes, charges et tout, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais oui, ce serait envisageable. Après, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé et qui ont offert beaucoup de subs sur la chaîne. Et en France, tu prends pas... Oui, non, bien sûr, il y a des taxes. Il y a beaucoup de piliers de barre là, qui ont offert beaucoup de subs sur la chaîne, qui ont été adorables, honnêtement. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui du coup, sur les 1000, ne sont pas des subs à temps plein, des pépites à temps plein. Et du coup, le mois prochain, bah, il y en a plein, il va y en avoir beaucoup moins que les 1000. Ça m'a fait très plaisir ce mois-ci, vous avez été géniaux d'avoir rempli le sub goal. Mais c'est aussi dû, et beaucoup dû... à beaucoup de personnes qui vont faire des subs sur la chaîne. Ce sera pas pareil tous les mois. Je pense que Dogman va resub. Bah oui, par exemple, Dogman, je pense qu'il va resub le mois prochain. C'est cool, Delcar, c'est gentil. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Aero, ouais. Aero va resub, vous inquiétez pas. On décide d'engage avec la Blade, mais on engage très très deep. Hein. Regardez, là, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Il y a eu un Bob qui a été utilisé de la part de Carpe pour empêcher Toronto de all-in sur la Blade. Et au final, Agility s'est retrouvé à faire une Blade tout seul au milieu de tout le monde, et il s'est fait annihiler par l'équipe de Fusion qui a utilisé un drone, un rallye. C'était quasiment impossible pour Agility de faire la différence à lui tout seul. Du coup, bien joué simplement, hein. Fusion qui a bien répondu à l'agression de Toronto, et j'aurais préféré qu'on prenne l'espace avec le McCree en premier, ou qu'on attende d'avoir la window de Carif plutôt que d'utiliser sa Blade de manière vanilla au milieu de tout le monde. Ça me semblait précipité. Ça me semblait très précipité comme move. J'avoue, vous êtes chiant avec ça. J'avoue, ils recevront jamais eux. Ils ont eu un sub, ils le savent même pas. Ils pourront même pas. Vous croyez que Aero, quand il va sur Twitch, il voit des émotes féfé, il dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Des barres. Là maintenant on est moins 2, on vient de perdre Karim aussi dans l'opération. Numlock qui saute au milieu de tout le monde. Ouais, c'était pour reset plus vite, je pense, parce qu'il savait que c'était perdu. Et que s'il avait fui, on l'aurait tué, mais il aurait perdu du temps. Fini en contrôle là-dessus.
Nevix, il va essayer de se charger. On est obligé de faire la même chose ici. Karim, il faut qu'il utilise sa window là. Mais cette fois-ci, Philly a sa propre window qui va arriver très très vite. Mais voyez, hein, l'agression à la window, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aurais aimé qu'on attende d'avoir une window du côté de Toronto pour la première attaque, là où Brady a utilisé sa blade. On l'a vu tout de suite là. Hein. La window, ça donne un énorme avantage. Et comme ils doivent poke, Philly, ils ont tendance à vouloir rester dans l'open. Du coup, la window, bim, kill. Kill directement. Et ensuite, on peut prendre l'espace. Il y a même Nevix qui va mettre un grave ici. Alors, j'espère qu'on va pouvoir commit du côté de Toronto parce qu'il m'a l'air un petit peu seul, Nevix. Il a combien de... Il a combien de charges, l'ami Nevix? 68? Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon move. Rage primordial. Allez, on y va. Faut faire des dégâts. Le point qui a été récupéré. Et c'est bon, là. Toronto qui va gagner le fight. Hein. La window qui fait toute la différence quand tu joues contre une composition Reinhardt Poke. Une fois que t'as la window, ils peuvent pas faire grand chose. Le Rain tient juste son bouclier, il peut pas survivre. Et là, Toronto qui va réussir à gagner le fight. C'est quoi vous parlez, les potes, là? Je lis des trucs sur les impôts et tout. C'est quoi le débat? Est-ce qu'il faut payer ses taxes? Oui. Il faut payer ses impôts, oui. Est-ce que j'en paye? Oui. Donc là, on envoie Bob sur le point. Alors Bob est un petit peu loin derrière le point. Oh là là, par contre, là... Là, je sais... Au final, le Bob qui était un enfer. Hein. Je sais pas s'ils l'ont vu, les petits potes de Toronto. Je sais pas s'ils l'ont vu, les petits potes de Toronto, mais le Bob qui a fait un travail assez exceptionnel hein, sur cette action. Il y a Carpe qui va le balancer sur l'agression de Toronto. Alors je sais pas si on s'attendait à ce qu'est la blade, mais au final il y a Poco qui a utilisé son ult aussi. J'aimerais bien qu'on voit ce qu'il a donné son ult à Poco. Est-ce qu'il les a montés en l'air? Oui, il les a montés en l'air. Du coup je pense qu'on s'attendait à ce que Toronto ait déjà la blade, c'était pas le cas. Mais je pense qu'on voulait prendre monter les gens en l'air pour éviter justement qu'on puisse agresser sur la blade. Et envoyer Bob sur le point pour créer un crossfire. Ce qui était un très bon plan de jeu. Hein. Utiliser Bob plus le tumet de Poco pour pile une blade, c'était un très bon plan de jeu. La blade n'est pas dispo du côté d'Agilities, mais ça reste un plan de jeu très solide. Hein. On voit d'ailleurs que Logix est là en High Noon et qui se fait tirer dans le cul par Bob. Hein. Bob qui est vraiment emmerdant au possible hein, pour Toronto. Là. Quel enfer. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Brady il a utilisé sa blade? Bah Brady. Donc là il échappe à l'ult de Poco qui était globalement bon quand même. On est moins 4, moins 5. Ah ouais, ballsy ça. Ballsy. Il voulait 1v toute l'équipe là. Je sais pas s'il s'est dit que c'était last fight. Hein. À mon avis, il a cru que c'était last fight. Je pense qu'en effet, c'est ce qu'il s'est dit. Mais c'est dommage parce qu'il aurait temporisé et juste focus sur survivre. Il y avait Cruz qui revenait avec un beat. Là, on reprenait l'espace côté Toronto. Regardez ce fight. Bah, GTS qui est déjà revenu, hein. Mais bon là il aurait eu sa blade maintenant, ça aurait été encore mieux que juste récupérer un pick. Et finalement, encore une fois, on va jouer pour le peel ici, on va jouer autour du poke du côté de Fusion. Et c'est très bien joué. Fusion qui a été très discipliné. C'est dommage parce que je pense que sur ce fight, avec les ressources qu'avait Toronto, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Il y avait moyen justement d'utiliser cette blade sur le retour de ses coéquipiers avec un beat de Lucio et ça aurait pu être un carnage, on n'aurait pas pu pile aussi bien, surtout qu'on avait déjà utilisé le flux gravitationnel le fight d'avant, le Bob le fight d'avant, donc Brady aurait pu se faire plaisir et ça se joue à des détails des fois, hein. Là le détail c'est d'avoir waste un petit peu cet ultimate, sinon Toronto aurait pu gagner ce round et gagner la map tout simplement, hein. Ils auraient donc mené 1-0 et ça change tout, hein, même d'un point de vue psychologique. Démarrer en 1-0, mener au score ou être mené, c'est bien évidemment un facteur important. La bise passe de peau. Ah, map numéro 2, elle fait mal au cœur, les gars.
Et on va en parler, on va en parler. C'est important de revoir ce qui s'est passé sur ce point. Ouais, dommage, il y avait moyen de se pas se faire 3-0. Bah, je pense que ça change tout en plus. Parce que là, toi, quand on voit ça, on peut se dire ah bon, ben, ça aurait pu faire 3-1 du coup. Mais si tu commences en gagnant, des fois, ça te met sur un espèce de momentum qui te permet aussi de gagner le match. Regardez Atlanta qui, dès qu'ils perdent une map, ils perdent le match. Pour eux, c'est plus le cas maintenant suite à leur match contre Boston, je crois. Mais ça montre à quel point le mental est très très important au niveau et que tout le monde est assez fort. Tout le monde est assez fort. Alors en défense Toronto qui décide. Alors sur le premier point, moi je suis d'accord de jouer H, je vous le dis sur le premier point, mais après je switch. Mais sur le premier point, ça permet d'avoir un crossfire, notamment si la plupart des équipes essayent toujours de venir ici au top là. Et du coup, si ta H est assez free en face, tu peux permettre de créer un crossfire. Ta H va tirer sur les cibles ici, pendant que ton équipe au top va tirer sur les cibles ici. Alors je vous le refais, les jaunes c'est Philly, tac tac tac. Et Toronto aurait pu avoir donc une partie de son équipe là qui tire sur ces gens-là et la hache ici qui fait un crossfire et les dynamites, ça se charge très vite. Après, ça c'était dans les méta assez assez stable, assez statique, des compositions assez statiques. Là, on est rarement sur des compositions statiques. On a vu que Fusion jouait des trucs un petit peu différents en plus, avec de la Winston, avec de la Sombra, etc. C'est vrai que là, c'est plus compliqué pour H d'exister. Beaucoup plus compliqué pour H d'exister parce qu'on va pouvoir venir la chercher et elle va pas réellement être seule en crossfire. Donc, à voir, à voir. Il n'y a pas vraiment de cachette et d'endroit où on peut pile les uns pour les autres correctement. Surtout qu'on joue, on joue aussi avec un Winston et on joue avec un Genji qui sont pas les meilleurs personnages pour pile dans le jeu. Premier point qui va être compliqué là pour Toronto. Pourquoi pas merci? Et tu la mets avec quoi en fait? Tu joues merci Bap? Pas de brick du coup? Du coup quand ils ont un meilleur brawl que toi juste parce qu'ils ont une brick? Brick est trop forte. En plus Brig merci c'est impensable. T'as pas assez de heal, t'as pas assez de dégâts. C'est impensable. Merci Bap c'est viable. Merci Zen c'est non, pas avec ce que joue Toronto. Merci Bap ça aurait pu être viable. Mais t'as pas de brig pour contester les chocs quoi. C'est viable. À voir. Genre pour moi c'est point d'interrogation. Je mets pas un nom directement, même si brig a l'air trop forte encore dans la méta actuelle. Mais ça me paraît compliqué dans le brawl, au corps à corps. Après ça dépend vraiment de ce qu'ils vont jouer. Le truc c'est que là tu vois si tu regardes ça, tu dis ouais ça va, on peut jouer merci Bap. Pourquoi c'est passé en mode transparent? On peut jouer merci Bap. Mais si tu te dis que les mecs vont jouer un truc très broly et qu'ils vont venir ici, si t'as juste merci Bap, tu peux pas tenir ce top. Ils prennent le top directement. Si là si Fusion joue une rush et que toi t'as merci Bap, tu te fais déglinguer sur le top. Ta Ange, elle va pas pouvoir faire grand chose. C'est comme t'es en défense premier point, t'es obligé de blind counter un petit peu. Hein. C'est plus fort défense first point, ça change rien. C'est ce que je dis en fait. C'est ce que je dis, Walinia. C'est pas une question de c'est fort avec ça ou ça. Oui, c'est fort avec H, mais du coup, tu crois que ces deux-là, ils vont réussir à pile suffisamment pour tout ce top pendant qu'ils se font déglinguer? Non. En gros, Philly, ils vont arriver là. Ils vont avoir une composition rush. Et ils vont déglinguer le top. Et merci H, ça va pas être capable de faire assez de dégâts pour tuer tout le monde. Mais non, bah non, toi tu parles de one shot des supports. Mais là justement, s'ils jouent rush, si Fusion ils voient merci Bap, ils jouent pas ça. Hein. Ils jouent pas ça Fusion. S'ils jouent ça, ils sont cons face à merci rush. Ils vont jouer le Moira Lucio et la backlane s'en fout. La backlane s'en fout, ils vont jouer Brick Bap et la backlane s'en fout. Et ça avance et ça tue. Ah, en Overwatch League, la prise d'espace, être capable de défendre de l'espace, c'est très important. Tu peux pas céder de l'espace directement. Et oui, à ce point, largement à ce point. Il y a aucun monde où ces deux petits gars, parce qu'ils font des dégâts, arrivent à pile pour tout un top alors que eux, ils arrivent en mode Death Ball. T'as bien compris que je disais qu'ils jouaient pas ça. Hein. S'ils jouent ça, oui, évidemment. Mais là, t'es sur une défense premier point, tu peux pas te permettre. Après, à bas niveau, tout est faisable. Hein. À plus bas niveau, tout est jouable. Hein. Même Open Division, même Contenders, c'est pas la même chose. À plus bas niveau, c'est peut-être envisageable. En Overwatch League, c'est à chaque fois, c'est des faiblesses qu'on a tellement vues en scrim qui sont exploitées directement par les équipes. Non, j'ai pas dit en gold non plus.
Oui, c'est vrai qu'à très bas niveau, tout est jouable. Donc là, du coup, on décide de jouer tous sur le top pour essayer de contester la hauteur. Il y a la brigitte qui est en haut. Qui c'est qui deny le point? Non, il n'y a personne sur le point en fait, vu qu'il est en invisibilité ici. Philly qui prend les positions de manière assez lente. Et alors là, il y a Numlot qui jump au milieu de tout le monde pour contester justement ce top qui est très très important. Mais l'équipe, elle follow-up pas du tout. L'équipe follow-up pas du tout. Et du coup, il est tout seul. Là, il va mourir, hein, Numlot. Là, il va mourir. Sauf miracle, il meurt. Mort. Mort! Il y a un Zenyatta, il y a une orbe de Discord sur lui, il a jump au milieu, il n'y a pas de follow-up de l'équipe. La demi-seconde, et c'est là où je vous dis que c'est très important la synergie. Et vous, là pour vous, vous lisez ça, enfin vous lisez ça. Le viewer moyen lit ça et se dit, bah Numlocked, il allait juste feed en fait. Sauf que si l'équipe avait follow-up une demi-seconde plus tôt, ça pouvait être un bon move et on tuait tout le monde. Parce qu'on avait une meilleure backline pour Brawl. Au final, le fait que cette partie de l'équipe joue un petit peu trop loin et qu'on donne un petit peu trop d'espace à Philly. Ça fait que Numlocked a jump in, mais que tout le monde était déjà prêt pour pile, que le Zenyatta avait été déjà dans l'open, alors que si on avait agressé plus tôt et qu'on avait été un peu plus au close, le Zenyatta aurait pas pu se permettre de rentrer dans l'open, et ça change la totalité de la physionomie du match. Ça change la totalité de la physionomie de ce fight. Et c'est là où le collectif est super important sur Overwatch, et il faut vraiment regarder le collectif avant les individualités. Là, tu lis ça, tu dis, ah, Numlocked, il feed ce nul. Mais non, pas du tout. C'est le reste de l'équipe qui réagit pas assez bien. Alors, problème de communication, peut-être. Problème de gestion d'espace, très sûrement, parce qu'au final, on était trop trop loin. Côté Toronto, j'aurais aimé qu'on joue un peu plus close. En tout cas, qu'on laisse pas le Zenyatta s'installer. Il y a un Zenyatta, il faut pas le laisser s'installer. Il faut absolument pas lui donner de lead dans cet open. Du coup, ça me va de jouer très close. Hein. Avec une backlane comme ça face à un Zenyatta, ça me va de jouer très très close. Un peu dommage, un peu dommage. Et ça donne l'impression du coup que ça feed. On n'en a pas encore parlé, Tom Tom. On verra Busan de Paris à la fin du live. Oui, là, l'arme, c'est Freepok. Et ouais, mais Freepok pour un Zen avec une Discord, c'est terrible. C'est terrible pour Defiant. Et du coup, là, on est sur le top. On doit aller contest. Agility qui essaye, mais il se fait hack instantanément. Et on va mourir sur le point. Globalement, là, la strat, c'est on meurt sur le point. On prendra le prochain fight. Ah, Numlock, tu as eu le temps de revenir quand même. Numlock, tu as vraiment eu le temps de revenir. Ok. Il est mort assez tôt. Poco qui va survivre à ça, non. Non, non, la Blade. Et là, on commit trop loin. Si vous arrivez à récupérer un pick alors que vous êtes en train de revenir en défense, très important de ne pas aller essayer d'aller chase. Vous récupérez un pick, tout le monde se regroupe. Quand t'as pas les spawn advantage, vous récupérez un pick, tout le monde se regroupe. Là, de vouloir d'avoir voulu commit comme l'a fait Brady, ça donne une situation de 1 pour 1. Donc il a réussi à tuer Poco. Mais finalement, il va récupérer sa dos. Et pour moi, juste la Blade, ça faisait back Philly. On se regroupait, on avait un fight à peu près décent. Là, au final, ça sent toujours pas bon pour Toronto, ils sont toujours un peu sur le fil. Là, Nevix qui continue de chase. Là, Carpe qui va récupérer le kill tout de suite sur Logic, justement. Parce que Carpe, lui, il était toujours derrière, en train de faire le nuisible. Et là, il y avait un grave de Poco, c'est ce qui va faire la différence. C'est le grave qui fait la différence là parce que Toronto aurait pas dû commit. Toronto aurait pas dû commit, ils se sont fait avoir. C'était bien là d'avoir bloqué le choke. J'avais bien aimé hein, le blocage du choke. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous avez vu, là, contrairement à tout à l'heure, hein, là il a rien pu faire le Zenyatta. Ils ont été obligés de reculer, Philly. Donc je trouve que c'était très très bien. Mais au final, pas fou, hein, pas fou parce qu'on commit dedans, on se fait grave et on meurt. Et encore une fois, on veut aller trop loin, juste défendre. En défense, choisissez les positions que vous voulez défendre et n'allez pas commit outre mesure. Ah, dommage. Dommage. Yo, Miku, comment tu vas? Surtout quand ils ont un grave. Surtout quand ils ont un grave. Dommage d'avoir commit là. Ils avaient bien réussi à retourner à la situation alors que c'était mal parti. Hein. C'était mal barré au début. Et ils ont réussi à retourner la situation. Merde.
Sort d'un top 1 sur Apex, ça fait plaisir. Let's go. Et là, on va push le payload. Et là, Toronto qui doit essayer de prendre un fight assez tôt. Ils ont des ressources. Attention, il y a cette UM de Issou. Mais là, on peut pas se permettre d'attendre. On peut pas se permettre d'attendre ici. Ou du moins, c'est vraiment greedy de la part de Toronto d'attendre ici. Parce qu'il y a ça, en fait. Quels que soient les ultimates que tu as, le fait qu'il y ait un UM de disponible, ça peut annihiler tout ton plan. Et on se retrouve dans une situation où le second point, c'est un seul fight. Et je me demande s'il y avait la possibilité sans Lucio d'avoir un autre fight. Mais dans tous les cas, là, ça paraît compromis pour Toronto, surtout si on joue ensemble au corner. Il ne faut absolument pas jouer au corner, il faut arriver à ce spread. Donc là, Cruz, il s'est mis sur la hauteur, pourquoi pas. On a Numlock qui s'est mis sur la hauteur également, pourquoi pas. Mais il faut absolument faire en sorte de ne pas leur donner un big UM. Pas leur donner un big UM, il faut que Cruz, Cruz est sur la hauteur, du coup l'idée je pense c'est de rallye et de drop sur le point une fois que tout le monde s'est fait UM, ça peut être envisageable, attention tout de même à pas se faire UM comme tout le monde, mais dans l'idéal tu cèdes pas autant de ticks, tu veux pas avoir un seul fight sur le second point, donc quitte à te dire que tu vas perdre le premier point, autant ne pas give up de ticks, là c'est le fait d'avoir give up deux ticks qui fait que Toronto va avoir un seul fight sur cette portion de la map, et ça c'est un petit peu chum pour eux. Est-ce que Poco a un gros laser là? Zéro, ok. L'IM qui touche. Ah. L'IM qui touche. Et c'est exactement ce qui se passe. Cruz qui va drop sur le point avec son rallye. Donc Cruz qui était bien placé. À Carpe là qui arrive à clutch sur la backlane. Et maintenant on est obligé de reculer. Hein. La très très bonne Siki de la part de Carpe. Toronto a rien fait de mal en soi. Ils étaient obligés d'avoir un seul fight parce qu'ils avaient donné les deux ticks. Carpe qui a les clutches là, très très bonne sticky. Cruz avait bien joué aussi, hein. Cruz avait bien joué, il était sur les hauteurs, on prend l'IEM, on drop avec un rallye. Là le plan de jeu était respecté. Maintenant pareil, là on essaye de, pour moi, hein. Faut essayer d'avoir un fight ici là. Faut essayer d'avoir un fight assez tôt, voilà Numlock qui va reprendre des positions. Faut surtout pas se mettre dans une situation où on va avoir un seul fight. Merde. Yo Atao, comment ça va? Ok, ça c'est assez ballsy, hein. C'est assez ballsy. Encore une fois, on voit qu'il y a un petit problème de communication, même de synergie là côté Toronto, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, regardez, on a une partie de l'équipe qui va aller s'occuper de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Carpe, qui est un vrai poison, hein, qui fait son rôle de moustique. Hein. Le rôle de la Tracer dans cette composition, c'est d'être un moustique pour la backlane, d'emmerder un petit peu les gens ici, emmerder le Jix, l'empêcher de poke, emmerder la backlane, l'empêcher de heal. Et pendant ce temps, la front, eux, ils veulent tenir la front lane. Donc on va avoir Nevix qui va essayer d'avancer et de prendre de l'espace, on va avoir Numlock qui va venir l'aider également. Mais pendant ce temps, t'as le reste de l'équipe qui commit pas sur le grave de Nevix. Du coup, on tue personne et on utilise une des ressources les plus importantes. Certes, on a forcé une transcendance, mais on n'a pas vraiment mis de pression sur Philly, quoi. Tout le monde s'occupait de Carpe qui était derrière. Et pour le coup, moi, il faut vraiment choisir en mode soit on joue passif, Nevix joue ici, on donne de l'espace, on prend en charge ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'ils arrivent dans notre open, hop, on utilise et on follow up. Soit on décide d'ignore complètement le moustique, juste garder un œil sur lui. Là, logique, c'est à la limite qu'il peut garder sa stun pour mettre la boule au bide, à l'équipe adverse. Et sinon, après, on avance tel un seul homme sur la front. Mais faire les deux en même temps, ça crée des problèmes de coordination assez visibles. Yo, le Jal, comment tu vas? Pas du tout, chou. What the fuck? Pitié, je veux pas lire ça. Hein. Rien que pour dire ça, tu peux prendre un ban par contre. Donc là, on peut pas commit. Du coup, ok, on a forcé la trans. Mais là, on se retrouve avec un gros disadvantage en termes de ressources. Et surtout, on vient de perdre l'espace. Et là où je suis pas fan de ce qui se passe, c'est que du coup, on se retrouve dans une situation de un fight. One fight situation. C'est-à-dire que... qu'est-ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que du coup, ben, au final, si on perd ce fight, si on avait pris le fight ici là, et qu'on avait ignoré la Tracer, on aurait pu mourir et avoir un retake et forcer peut-être plus d'habilité. Là, on a forcé uniquement la trance avec le grave. Et derrière, eh bien, on se retrouve dans une situation où si là, Toronto perd ce fight, eh bien, c'est déjà quasiment fini. Hein, le point qui va aller jusqu'au bout et Philly qui va être capable de cap.
Heureusement, Brady est allé récupérer des kills sur cette action, ce qui va donner l'opportunité à Toronto de survivre. Mais moi, ça me fait peur un petit peu. Ça me fait peur. Brady qui allait dive la backlane, ce qui était globalement la meilleure chose à faire. Étant donné que la front avait commit un petit peu du côté de Philly. On va aller se mettre un peu sur Poco. Il a réussi à survivre, il a réussi à back. Il est chargé à plus de 60. Ça va pouvoir mettre de la pression. Il a toujours ses bulles. Il va devoir essayer de se charger avant d'engager le teamfight. Il va bulle. Non, il a pas utilisé sa bulle. Il y avait une rage primordiale. Il préfère garder ses bulles. Parce qu'il y avait une rage primordiale du côté de Sado. Donc là, il y a une bonne communication. Il n'a pas été obligé de bulle Sado. Ça aurait pu le charger lui. Mais au final, le fait qu'il ait toujours ses deux bulles, ça a permis mid-fight de tenir le choc et de tenir la counter-charge de Toronto. Carpe là qui met une pulse incroyable, hein. Pas grand chose à dire là-dessus. Et on va cap le point derrière. Ouais, Brady qui essaie de contester comme il peut, il se fait hack et c'est terminé. Bonne offensive, hein, bonne attaque de Philly, le gros laser. Il avait pas un gros laser, mais il avait un laser bien géré, on va dire. Il s'est bien géré son laser. Mais pour le coup, je me pose la question de comment les Aria décident de jouer autour de ça. Parce que là, on a vu, hein, Sado avait une rage primordiale, du coup, on l'a pas bubble du tout. J'ai vraiment envie de me focaliser sur comment... Bon, après, c'est dommage, hein, c'est une méta qui va un petit peu disparaître, en tout cas normalement pour les deux prochaines semaines. Mais on sait jamais, elle risque de revenir. C'est pas la taille du laser qui compte, c'est comment on s'en sert exactement, chou. C'est ça, les gars. Numlock qui saute sur la pose bombe, ça c'est unfortunate. Ça c'est unfortunate, Yellow Shark. Là, sur Sombra, je pense qu'il faut quand même bubble, sinon pas besoin, je pense. Si tu joues contre une Sombra, t'es peut-être obligé de bubble ton monkey pour pas qu'il se fasse hack. Mais en effet. En effet. Quand il n'y a pas de Sombra en face. Après, obligé, je suis pas sûr. C'est très situationnel quand même. Mais ça peut être intéressant de le faire. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il y a eu... ce point a été très très difficile à cap pour Toronto. Impossible d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Et on va parler rapidement des compositions. On va parler rapidement des compositions. Toronto, pour moi, avec leur compo là, il faut absolument que ce petit bonhomme, il s'exprime pas du tout. Si ce petit bonhomme, il est capable de s'exprimer, à chaque fois que Toronto va être dans l'open, ils vont prendre la max en termes de poke. Et Carpe, Issou, Sado vont pouvoir connecter sur ce qu'ils veulent. Poco va pouvoir utiliser ses bulles pour charger et mettre des dégâts et de la pression. Et la brique va pile pour le Zen globalement. Mais si Alarm est capable de mettre des bonnes orbes et de mettre des têtes de loin, ça va être très très compliqué pour Toronto. Donc pour moi, il va falloir s'occuper de soit deny les top, tout simplement, et faire en sorte que Alarm n'ait pas de vraie ligne de tir, soit arriver à dive ce petit bonhomme. C'est pas gagné. C'est évidemment pas gagné. Ah oui, surtout quand il se passe ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? Attendez. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Quel enfer ! Oh là 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 là, le timing de Alarm là-dessus. Aïe 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 aïe, hein. Terrible, terrible ce qui vient de se passer pour Logix. On a les setup, bim, déjà on se fait récupérer. Alarm qui a eu un timing parfait, hein, sur sa... dans la zone, ouais. Un petit peu là, il était en ultra instinct. Honnêtement, il était en ultra instinct pour anticiper ça. Bon, il s'en doutait que la Tracer allait venir par là, mais le timing était vraiment parfait. Carpe qui fait un truc vraiment intéressant, c'est il sait que ça va jouer sur... Vu la composition de Toronto qui est obligé de connecter, il sait que ça va jouer sur leur capacité à garder Alarm en vie. Du coup, Carpe, il n'est pas forcément obligé d'agresser Toronto. Il n'y a pas grand-chose à agresser du côté de Toronto. Par contre, pile pour la Tracer adverse, c'est hyper important parce que ça donne de l'espace à Alarm. Donc Carpe, il va avoir ce rôle aussi où il va devoir jouer un petit peu le bodyguard de Alarm. Là, on décide d'agresser. Tout le monde qui pile. Il y a Poco qui pile bien. Il y a Brigitte qui pile bien. Et ensuite, on vient gratter.
Mais Poco pareil, hein. Poco il joue avec son Zenyatta parce qu'ils sont bien au courant. Ils sont bien au courant fusion que si Alarme arrive à faire des dégâts, il n'y a aucun moyen que Toronto gagne ce duel. Si Toronto n'arrive pas à diver la backlane et qu'il se retrouve dans l'open, c'est perdu. Tout simplement. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. Un petit peu ce qui s'est passé sur ce side de map. Plus protégé que. Ouais. Moira avec ses DPS bof bof. Moira qui malheureusement ne peut pas jouer avec sa front. Hein. Quand la front. Enfin quand le Winston va jump, la Moira elle peut pas suivre. Hein. Elle peut envoyer une boule, mais c'est tout. Hein. Du coup, elle est obligée de jouer au sol avec qui elle peut. Hein. Donc avec Nevix, avec Logix s'il est là, avec Cruz. Mais c'est tout. Pareil, Brady qui va être au top et il n'y a personne pour follow-up vraiment sur Brady. Il n'y a pas Ana, je vous le rappelle. Hein. Si Ana était jouée, ça aurait été différent, mais Ana est ban. Était ban cette semaine. Pas comment il pouvait dive la backlane de manière aussi directe avec une Moira en plus. Non, c'était pas possible. C'était réellement pas possible. Là, on redécide d'agresser. Et regardez à l'entrée, là, ça pile parfaitement. Hein. Ça pile parfaitement. Carpe, Sado et Issou qui, eux, s'occupent de ce qui est au sol dans l'open. Et une fois qu'on n'a pas réussi à agresser, on meurt. Et ça a été assez criant. Assez criant. Yo, Jean Benoît, comment ça va? Ça a été assez criant. À chaque fois, là, Toronto, là, qui vient dans l'open, qui jump, que fait Philly? Philly recule directement, tac, pile. Et ensuite, il y a les nuisibles ici, les nuisibles qui sont là, pendant que Toronto est ici, en gros, globalement. Une partie d'équipe est là, une partie d'équipe est là. Et on tue ce qui est là. Les nuisibles, ils vont tuer tout ce qu'il y a là, mettre de la pression. Il n'y a pas de sustain possible. Et une fois que c'est mort, bah, eux, ils sont obligés de drop. Hein. Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas rester sur le top parce que là, il y a une Zen, une Zarya chargée et une Brigitte. Ils sont obligés de drop. Et là, ils meurent. Et je vois pas comment ils pouvaient gagner ce teamfight. C'est vraiment une défense classique depuis la première méta dive. Ouais, ça y ressemble, ça y ressemble. Mais comment ils prononcent Jean Bambois, j'avoue. J'avoue. J'ai jamais été corrigé. Moi, je lis Jean Ben Bois. Jean Ben Bois, en trois syllabes. Je peux dire Jean Bon Bois. Ou Jean Bon Bois. J'ai jamais été corrigé, du coup, moi. Moi, je dis, hein, faut me corriger, les gars. Si vous voulez que je prononce bien vos pseudos. Mais évidemment, Duke Gats, évidemment, c'est prévu. Si tu crois que c'est pas prévu, Duke Gats. Peut-être qu'un Baptiste aurait été bon pour pick pour les Defiant à la place de Moira. Baptiste aurait pu heal un petit peu plus à distance. Maintenant, j'ai l'impression que si tu veux pouvoir jouer dans un open, limite Zen était peut-être plus correct. Ça aurait forcé Fusion à faire un move. Ou Bab Brig et tu brawl à fond la front lane ou tout ce qu'il y a au sol. Bab Brig et tu joues en réception. Lucio Bap, je sais pas. C'est un point qui est compliqué à attaquer. Avec la compo exacte là de. Après on peut changer toute la compo hein, si on parle que de la backlane. Brig Zen, je pense qu'ils auraient dive et qu'ils avaient un potentiel de dive assez incroyable et le Zen serait mort dans l'open à chaque fois. Donc Zen, ça me paraît compliqué. Bab Brig, tu peux mettre beaucoup de pression sur justement ces trois petits bonhommes au sol. Ça aurait pu être bien en vrai. Juste le Winston qui jump pour séparer l'équipe en deux. Tu sépares l'équipe en deux. Et ensuite, t'as Bab Brig au sol qui tue et qui s'occupe de ces trois gars-là. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. En vrai. En fait, Féfé, mon pseudo, c'est Marion la plus forte, mais je rompe à chaque fois. Ah, pardon! Pardon! Moi, je lisais à chaque fois Marion Moira incroyable. Et du coup, je lirai correctement maintenant. Là, Toronto qui décide de passer dessous, mais on va avoir le même problème. Bon, déjà en plus, on se fait engage à l'IMP, mais pour moi, d'ailleurs, cet IMP qui est pas très bon. IMP dissous là. Pourquoi faire un IMP ici? Pourquoi faire un IMP ici, sachant que ça force son équipe à commit dans la room pour prendre les kills et que son équipe elle a envie de jouer slow, hein. Elle a envie de garder les tops, d'avoir le Zenyatta qui tire des boules sur les adversaires. Il n'y a pas besoin d'IMP là. Issou, il aurait dû les attendre que Toronto vienne sur le point pour éventuellement IMP si c'était nécessaire. Là, au final, il va juste waste. Toronto va kite, hein, je pense. Hein. Toronto va juste kite là. Ils n'ont pas intérêt à avancer alors qu'ils sont tous IEM. Toronto qui recule. On peut pas commit là-dedans parce que c'est pas du tout la comp qui permet de commit. Un des IMP les plus waste de l'histoire. Hein. Celui-là était vraiment mauvais hein, pour le coup. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Là, il y a petite question. Il y a petite question quand même. Je me pose vraiment la question. Pourquoi on a mis le Zen au sol?
Pourquoi Zen est descendu? J'aimais bien le setup sur le top, moi. Là, au final, on donne l'opportunité à Defiant de connect. Et le fait qu'il y ait une coalescence, justement, ça t'a envie de jouer là. Hein. T'as envie de continuer à jouer là parce que la coal, elle peut pas t'atteindre. Que jouer là dans l'open, speed boost en all-in la backlane, c'est pas mal. On avait quoi comme ressource? La transe. En vrai, peut-être qu'Alarm il s'en fout parce qu'il a sa transe. Je sais pas. Je suis pas fan. J'aimais bien le setup de fusion. Et j'aurais bien aimé voir Toronto limite forcer une rotate ou les forcer à drop en prenant stop, en essayant de venir ici et de forcer la rotate. C'est long, hein. Avec leur compo, je parle. Il n'y a pas beaucoup de win condition avec la compo de Toronto. Parce que c'est quasiment impossible de dive correctement contre une équipe disciplinée. Ah là, par contre, ça c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible, les gars. Ça me fait un peu mal au cœur. C'est dommage. Toronto qui utilise sa coalescence, qui est un bon ultimate, ok? Toronto, depuis le début, quand ils sont en crossfire, ils perdent. Parce qu'il y a plus de poke du côté de fusion, ça gratte beaucoup plus du côté de fusion. Là, si tu utilises ta coalescence, il faut mettre une grosse flèche, un gros tout droit. Dans ces gars-là, quitte à forcer la transe et à mourir, c'est pas grave, mais il faut forcer des trucs. Là, heureusement, il y a le rallye de Feniastro qui va être utilisé, mais je suis même pas sûr qu'ils aient eu besoin, pour être honnête, étant donné qu'ils avaient les positions, les hauteurs, et qu'ils avaient de la charge, qu'ils avaient le Zen qui continuait de free poke. Rester dans l'open avec une composition rush, ça a jamais été très fort. Il faut vraiment connecter sur quelque chose. C'est le but de la rush, réduire la distance, connecter sur quelque chose. Rester dans un open, c'est bien pour les compositions poke, c'est pas bien pour les compositions rush. Ah, c'est dommage. Je pense que la compo était dure à jouer, très dure à jouer, honnêtement. Mais qu'aussi, on n'a pas fait ce qu'il fallait à chaque fois qu'on a joué, quoi. Après, c'était très dur à jouer. Potentiellement, c'était la première fois qu'ils jouaient contre ce que jouait Philly aussi. Hein. Ceci explique cela. Je pense pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions de jouer contre des Tracer Sombra Brigzen en défense. Là, bon, Issou qui se fait pique. Ça, c'est bien. On va avoir la Blade, on va avoir le beat. Il n'y a pas de Sombra. Là, je me dis, c'est le moment. It's time. On continue, on s'est remis sur les positions au top, donc j'aime beaucoup ce que fait Philly. Et au final, on n'a pas eu l'occasion de... Oh, c'est si, il faut tuer dans le grave. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Brady n'utilise pas sa blade là? C'est possible qu'ils ne comprennent pas comment la jouer, je parle au niveau de Philly. Ah oui, contre une équipe au même niveau que Philly, oui, c'est possible que ce soit la première fois qu'ils face une équipe qui joue cette compo aussi bien. Mais ça revenait un peu au même de ce que je voulais dire du coup. La Nevix, il va faire un grave. On a perdu Cruz sur la rage primordiale. Cruz avait son beat. Ça, c'est terrible. Hein. On perd le multi-support. Là, c'est full malheur. Est-ce que Cruz aurait eu le temps d'utiliser son beat? Peut-être. Il aurait fallu, en tout cas, vu qu'on est quasiment sur un last fight. Nevix qui va utiliser son grave ici. Et là, il faut instant blade et tuer ces petits bonhommes. Hein. Après, regardez le monsieur là. En fait, il veut pas blade, Brady. Ok, j'ai compris. Blade, Brady veut pas blade parce qu'il sait qu'Alarm a sa transe. Il attend que l'alarme utilise sa transe dans le grave et il ne l'utilisera jamais en fait. C'est ça la vraie raison. Ah non, alarme est mort. Alarme est mort. Bah non, il fallait blade. Alarme est mort, il fallait blade. Il fallait tuer. Ah, le beat de Cruz là, il sauve tout le monde. Il y a beat de Cruz, Toronto gagne là. Le fait qu'il se fait pique en early, c'est chaud. Parce que peut-être qu'il n'y avait même plus de bulle, il n'y avait même plus aucun sustain possible pour Brady. Il serait mort même avec sa blade. Ah, ça fout le malheur, hein. La mort de Cruz au début qui fait pas du bien. Qui fait vraiment pas du bien. Poco tu Brady, ouais. On aurait eu un beat, il m'aurait pas, hein, c'est ce que je disais. Jouer brawl avec un Macri, Sigma et passer par en bas. Oui, ça aurait pu. On aurait pu changer toute la compo et en effet jouer Reinhardt, Sigma. Et ça aussi, on n'arrive même pas à toucher. Brady qui va réussir à toucher le point. Coalescence. Il y a encore la transe, l'IUM qui est dispo. C'est pas très synchronisé à chaque fois. Hein. On a l'impression que les ultis sont utilisés les uns après les autres alors qu'on aurait envie de voir justement les ultis utilisés de manière combinée. Hein. Agresser avec une blade et un beat.
petit peu dommage. Voilà, Philly qui a clairement dominé. Hein. Je pense que c'était très dur à jouer comme composition. Mais en plus, on n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait côté Toronto. Brady a tué l'arme, mais est mort instant après. Donc, il a peut-être pas eu le temps de blade. Je pense que c'est surtout le fait qu'il n'y avait personne pour... Il n'y avait pas de bulle de Nevix. Nevix avait déjà utilisé sa bulle. Je pense qu'on avait besoin de la bulle pour protéger... pour sauver Brady, en effet, il n'y avait plus de sustain, le Lucio était mort, le beat n'était pas disponible. C'est full malchance, mais ça montre un petit problème de synchronisation quand même. C'est pas que de la malchance. En fait, c'est Philly qui dicte le tempo et Toronto qui a du mal à synergiser ses compétences, du coup. Volskaya maintenant. Et après, on ira faire un tour du côté de Busan. On ira voir la map Paris versus Gladiators. Juste sur Busan, parce que j'avais envie de revenir sur l'agressivité et la façon dont Paris a dicté le tempo. Mais oui, hein, Nitz, tout à fait. Hein, jouer Brawl avec Macri, Sigma et passer en bas. Alors, passer en bas, je suis pas sûr. Mais passer en haut, deny les top, mettre de la pression avec beaucoup plus de POC. Pile justement pour les agressions répétées de tes adversaires. Ça, ça aurait pu être une solution. J'aurais bien aimé voir... plutôt que Moira Lucio, j'aurais aimé voir Bad Brig en backlane. Je pense que ça, ça aurait été une solution. Contre ce que jouait Fusion. Tout à fait. Mais bon, on essayait de réfléchir à comment, avec la compo de Toronto, ils auraient pu faire quelque chose. Sans parler de changement de comp. Je pense que Numbani, je pense que Lilbo et tout, ils se sont dit que ça allait pas passer et que ça allait être très très dur de dive ça. Hein. Ils s'en sont rendus compte. Malheureusement, ils peuvent pas communiquer avec les joueurs. Mais c'était un petit peu too late. Hein. Les joueurs devaient pas savoir quoi vraiment jouer contre ce que jouait Philly. Ni comment jouer contre ce que jouait Philly. Alors là, on retrouve un petit peu. Donc là, on retrouve une backlane déjà un peu plus. C'est après la mi-temps. On trouve une backlane déjà qui a un petit peu plus de sens contre ce que joue Philly. Vous voyez, il y a eu de l'adaptation côté Toronto. Il y a Tracer, son bras. On sait que Philly va rejouer ce type de composition. On s'en doute en tout cas. Cette fois-ci, on ne veut pas jouer Moira Lucio. On veut jouer un truc qui pile beaucoup mieux et qui permet de brawl sur le long terme. Donc on joue Brick Bap. La seule interrogation que j'ai, c'est la hache. En tout cas, peut-être qu'on ne savait pas, c'était justement pour être versatile. Hein. Encore une fois, quand tu défends en premier, tu blind counter un petit peu. Tu es obligé de te dire, on va essayer de jouer un truc versatile, un truc polyvalent, en français. Un truc polyvalent qui permet justement de jouer un petit peu contre plusieurs types de compositions. Et c'est ce que je pense qu'a décidé de faire Toronto en jouant cette hache au cas où on passe sur quelque chose de très très poky du côté de Fusion. Donc d'avoir un certain potentiel de poke quand même. Versatile, ça veut pas dire la même chose en français qu'en anglais en fait. Question. Versatile, ça veut dire polyvalent. Et moi j'ai toujours ce mot-là, mais versatile, ça veut dire qu'il change d'avis. Qu'il change d'avis souvent. Du coup, ça n'a pas trop de sens. C'est pas trop ce que je veux dire. Non, mais je fais l'erreur à chaque fois, les potes. Voilà, facilement. Merci, Miku. Donc là ouais, là j'aime bien le changement de j'aime bien la compo de Toronto. Alors il y en a beaucoup qui ont dit H, merde, H, what the fuck sur Volskaya. Mais c'est une compo polyvalente parce qu'elle peut jouer contre différents styles de jeu. Juste en effet, il va être très très weak. Hein. Le Jix qui va être l'homme à pile, l'homme qui doit jouer plus sur se focus plus sur survivre et faire du poke que vraiment essayer de faire du clutch ou de prendre un duel. Hein. Le Jix là, ça va être la cible de tous les joueurs de Fusion, notamment de ces deux petits gars parce qu'il est assez weak. C'est le point faible de la composition de Toronto. Mais pareil, le choix de la compo par les coachs est mieux. On a cette backlane qui est beaucoup mieux contre ce que joue Fusion. On a toujours le Genji d'Agilities. Alors ça, a priori, c'est le style de jeu qu'avait décidé d'adopter Toronto, hein, de jouer avec Agilities sur Genji. Est-ce que les compositions Genji, pures et dures, étaient viables? Ça, c'est une autre question. Et après, on prend quelque chose qui poke correctement au cas où Fusion joue autre chose. Voilà, c'est tout. Maintenant, comment on la joue? Ça, c'est une autre question. Je me rends compte que j'utilise mal aussi, comme quoi, même sur Twitch, on évolue. Bah évidemment, c'est un stream éducatif, mon cher Custy. C'est un stream éducatif. Du coup, on éduque, et pas que sur Overwatch. On met des bans éducatifs aussi, parfois. Alors, il est où le Jix? Ouais, il joue tout seul, hein. Il joue tout seul. Fury qui a fait tomber Cruz. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort Cruz là-dessus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà Fury qui a pris déjà 60% de charge. Je pense que ça c'est vraiment dommage de donner autant de charge à Lazaria alors qu'il a utilisé une seule bulle. Hein. Il a utilisé qu'une seule bulle. Donc tout le monde a focus la bulle.
Et là, il va pouvoir se permettre de faire beaucoup de dégâts au corps à corps. Il a encore sa propre bulle en plus. Oh, le clic droit. Le timing encore. Hein. Oh, les pauvres. Hein. Oh, le petit clic droit là. Aïe, 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 aïe. Hein. Oh, l'enfer, l'enfer. C'est juste, il met un clic droit et Cruz était low parce qu'il a piqué légèrement. C'est même pas une erreur vraiment. On peut même pas parler d'erreur, quoi. Hein. On peut même pas parler d'erreur. Hein. La seule erreur, la vraie erreur de Toronto, c'est d'avoir mis Fury à 50 et du coup, il va nous faire une petite boule à 40 et là, ça fait des dégâts. C'est la seule vraie erreur. Aïe, 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 aïe. Mesquina. Je trouve un peu OP quand même. Comment ça? Qui ça? Qui ça? Du coup, on va enchaîner sur l'objectif B. Ah, out of position. Ok. Légèrement, ouais. Mais c'est là où on voit que c'est le très très haut niveau. Hein. Une toute petite erreur. Il est légèrement out, mais lui, il voulait juste taper un coup, Cruz. Il voulait juste taper un coup pour activer son heal de zone. C'est ça, en fait, qu'il a voulu faire. Cruz, il n'a pas voulu aller chercher quoi que ce soit. Il a voulu aller mettre un tout petit coup. Mettre un tout petit coup de l'assaut pour... Mettre un tout petit coup. Il voulait juste tirer son coup, quoi. Pour justement faire en sorte que le heal de zone soit enclenché et après retourner se cacher comme tout le monde. Yo Psyl, comment ça va? C'est le but de Brick car de perdre ma proc et un spi pour avoir de la value. Ouais, c'est ça, hein. Il était un petit peu obligé. Quand tu as une hache en face, c'est plus simple pour charger une Zarya, je crois. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Parce que la hache elle poke, bah elle devrait pas. Elle devrait pas. Elle devrait surtout pas tirer dans la bulle. Elle devrait jouer plus passif. Faut être supra vigilant. Faut être supra vigilant sur les bulles. Hein. On a vu les Zarya beaucoup trop chargées ce week-end. Hein. Dans la plupart des équipes. Hein. Et les équipes qui chargent pas les Zarya adverses, généralement elles gagnent. Hein. C'est hyper important. La dynamite, elle cherche à connecter. Ouais, mais bon. Est-ce que c'est obligatoire? C'est ta hache, en fait. C'est une erreur de ta hache. Pour se charger vite. Mais est-ce qu'on veut vraiment la charger vite? Est-ce que tu as besoin de charger rapidement ta hache? Je pense pas. Hein. Est-ce que Bob est ta win condition? Non. Par contre, si eux, tu les charges et qu'ils peuvent te mettre de la pression sur la front tout en jouant sur l'arrière, c'est gagné. Donc, ne pas charger la Zarya, c'est ta win condition. Ouais, ouais, je pense que ça vient de la discipline de la hache, de justement garder ses habilités et d'attendre que la première bulle soit utilisée. Parce que globalement, eux, ils doivent cross le choc, hein. Ils doivent avancer et toi, tu peux brawl un peu plus qu'eux, donc ils vont être obligés d'utiliser des bubbles. Et là, on a vu que avec une bubble, la Zarya avait récupéré 50, soit le maximum qu'elle peut récupérer sur une bulle. Du coup, ça veut dire qu'il y avait vraiment eu la totalité des gars qui ont poke dans la bulle. Hein. Du coup, autant jouer Macri si on joue sans dynamite. Je le répète. Alors, on aurait pu jouer Macri, évidemment, ça aurait été meilleur contre ça. Mais c'est un premier point en défense. Tu peux pas blind count. Tu es obligé de faire un choix stratégique. Soit tu te dis, bon bah ils vont rejouer la même chose, et dans ce cas là tu prends McCree, mais McCree c'est un personnage qui à longue distance va être vraiment useless. Donc si les mecs avaient joué poke en face, ben ton McCree il aurait été un petit peu nul comparé à une hache. Et ça aurait été une physionomie totalement différente. Donc c'est un choix, tu décides de partir là-dessus parce que c'est polyvalent, juste adapte ta façon de jouer. Tu adaptes ta façon de jouer. Mais le choix, on peut pas dire à chaque fois, ah bah il aurait fallu contre ça, faut jouer ça. Parce que ça, c'est un premier point. Là, par contre, il aurait pu switch Logix. Il s'est peut-être dit qu'il allait avoir son Bob et que c'était utile pour le second point. Mais pour le premier point, t'es obligé de faire un choix stratégique, en fait. Moi j'aurais switch perso, j'aurais switch.
En effet, parce qu'en plus, là, son bras, elle peut hack le Bob, c'est vrai. Pas de soucis, Pilou, t'inquiète. T'as le droit de... Vous avez... Les gars, y a pas de jugement, y a pas d'erreur ici. Hein. Genre, vous dites quelque chose, vous pensez quelque chose, vous le dites. Moi, derrière, après, je l'entoure comme ça dans le chat. Et je dis, ah, regardez, c'est nul ce qu'il dit. C'est nul. Nul. Comme ça. Et après, y a pas de jugement. Hein. Y a juste, je vous jure, y a pas de jugement. Non, bien sûr. N'hésitez pas à donner votre avis. Et justement, ça permet de faire le débat. Et y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de jugement. On est là pour apprendre tous ensemble. C'est le but de ce genre de stream. Donc n'ayez pas peur de mettre des messages, quitte à ce que des fois je vous dise ah je suis pas d'accord. Des fois je vais être d'accord. Des fois je vais pas l'être. Et c'est justement ce qui fait que des fois des points que j'aurais pas pensé à aborder, je les aborde. Autant jouer passion et sim. Non. Voilà par exemple non. Là qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Alarme nous récupère ces deux piques là? Comment Alarme nous récupère ces deux piques? Oh là là, il est tellement low. Il est tellement low, Alarme. Clic droit. Oh non, mais là, attendez, là non. Là non. Putain, il est vraiment. Il a un momentum incroyable. Hein. Il a des timings, Alarme. Il est en ultra instinct. Hein. Alarme, il est en ultra instinct. Hein. Il survit. Alors qu'il gridait comme pas possible. Il reste 30 PV et après, il met un clic droit parfait sur le timing. Regardez là, il survit avec ses 30 PV là, c'est joué à rien, il aurait dû canner. Et là, clic droit, hop, mort. Voilà, après c'est normal, il focus la front. Et après il tue ce qu'il y a dans le grave. Bob qui s'est fait hack, il y a le Genji sur lui, il a sa transe, il a même pas besoin de l'utiliser. Ah là là, il était clairement en ultra instinct à l'arme. Hein. Clairement en ultra instinct. Hein. Le timing sur le clic droit avec Karif qui passe la tête. Ouh, lui, il est très très bon cet IEM défensif de Issou, même s'il touche que Brady, du coup la Blade qui était un petit peu la win condition de Toronto qui peut pas être utilisée. Tout le monde meurt les uns après les autres. Alarme qui continue de récupérer des kills. Quel enfer. Oh, il était dans la zone. Hein. Chance, mais il prend une Zygra Ghost Lin. Ah oui, non, mais c'est du grid. Hein. C'est clairement, c'est jamais totalement de la chance. Hein. C'est le timing qui est parfait. Quand je dis il est dans la zone, c'est qu'il arrive à survivre et à dodge la balle de... Il y a du talent, les gars. Il y a du talent, il y a de l'anticipation, il y a du spam les bonnes lignes. Tu vois que le mec, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est jamais réellement de la chatte. J'avais juste envie de faire ça. C'est ce que j'aurais crié. Si j'avais été Karif, par contre, c'est ce que j'aurais crié. J'aurais crié ça. Si j'étais mort, j'aurais crié la chatte, putain. La mauvaise foi, un petit peu pour te défouler, quoi. Mais en effet, hein, c'est beaucoup de travail d'anticipation. Hein. Très fort. Il n'y a que dans le chat YouTube quand on est sérieux quand on dit la chatte, c'est ça. Exactement. Yo, Skitmex, comment tu vas? Et du coup, time bank, oh là là, time bank de 4 minutes. La première map était assez serrée. Et après, clairement, j'aime la compo de fusion au final qui passe très très bien contre ce que joue Toronto. Et là, logique, ça n'a pas pu être trop efficace sur la seconde map. Je sais pas le pick H sur le second side, pardon, sur le second point. Je sais pas le pick H, je l'aurais peut-être pas gardé. Je serais parti sur Macri, un truc pour emmerder les deux là. Parce que le problème, c'est qu'eux, ils sont emmerdants. Et après, si eux, ils ont de l'espace parce qu'eux, ils sont emmerdants, eh bien, du coup, lui, il se fait plaisir. C'est globalement ça. J'ai soif ou pas? J'ai rien pour boire, mon serveur Skitmex. Mais tu peux mettre à boire, tes pépites seront remboursées par Scorco, le bro. J'ai trouvé, même si je ne l'ai pas beaucoup lu, que le chat YouTube s'est amélioré. Incroyable. C'est à force de passer à la buvette. Il y en a quelques-uns, ils passent à la buvette du chat YouTube. Et après, ils retournent sur YouTube. Et là, ils sont en mode, putain, let's go, en fait... Je vais devenir une meilleure personne. Je pense que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. Allez, on enchaîne. Là, du coup, Toronto qui décide d'attaquer avec la même chose. Par contre, ça, je suis pas tout à fait d'accord, du coup. Parce que le Jix, il va être la cible. Hein. Clairement, ça va être compliqué. Le Jix, il va devoir jouer avec tout le monde.
Après, on joue avec Genji. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Un Makri? Ouais, un Makri. Hein. On aurait pu prendre un Makri en vrai. Hein. Makri, t'avances avec ton équipe. On te pile. C'est ce qu'on avait vu sur Népal. Hein. Népal, la compo Makri. Alors, il y avait un Reinhardt, mais c'était la même compo, sauf qu'on avait un Makri. Je trouve que ça marchait mieux. Là, j'aurais pas pris un Reinhardt, j'aurais pris Winston parce que cette map, il y a trop de hauteur. Mais j'aurais gardé Makri, je pense. Pourquoi D.Va est plus méta? C'est pas qu'elle est plus méta. C'est plus que Sigma est trop fort dans certains types de compos et Zarya est très forte en ce moment parce que Zarya a toujours été forte aussi dans sa capacité à pile et à la fois être très forte en termes de dégâts quand elle est chargée. Et là, j'ai l'impression que c'est difficile, ça demande une vraie discipline de pas charger les Zarya et du coup, tu as toujours des Zarya chargées qui fait que les Zarya se sentent utiles et efficaces, notamment parce que les compositions grattent et poquent un petit peu tout le temps. Ça a été vu le retour de Kellex. Comment ça, Ninkono? Comment ça a été? Mais on en parlera demain dans les news à 14h. Hein. J'enverrai un petit message à Kellex ce soir. Zarya qui n'avait pas eu de changement depuis un bail en plus. Ouais. Quand on m'opile, je Duracell. Ouh là là. Attention. Petit Sacha le blesse là. Pourquoi était switch poste pour poste? Aucune idée. Question de style de jeu peut-être. J'ai posé la question à Nico. C'est peut-être une question de style de jeu. Mais j'aurais laissé Poco vu qu'il faisait du très bon travail sur Zarya. Ok, donc là Toronto qui a du mal à cross évidemment parce que ça continue de gratter. On est obligé de vraiment pile pour ce qui est en backlane. Pour moi, vous voyez, hein, Logix qui arrive pas forcément. Il a besoin de ligne, Logix. Hein. Il n'arrive pas à charger son ulti. Il n'arrive pas à faire des dégâts honnêtement. Je pense qu'un Makri aurait été mieux. Et là, on voit, hop, eux, ils se sentent assez libres. Hein. Carpe Issou, ils se sentent assez libres d'aller et venir. Ils vont aller attaquer Logix tout de suite parce qu'il n'y a pas. Ils ont mis une Discord en plus. C'est pas comme un Makri qui peut te stun, c'est plus compliqué. Du coup, là, je donne pas cher de la peau de Logix. Il arrive à survivre. Oh là 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 là, il prend tellement cher en termes de dégâts à Toronto qui subit. Et du coup, comme on est obligé de pile. Pour ce qui est ici, et notamment pour Logix qui a failli mourir 3-4 fois, et ben Numlocked, quand il prend l'espace, ben il est tout seul, et là il meurt. Là il meurt. On a utilisé tellement de ressources juste pour pile pour l'ami Logix qui prenait la max depuis le début, hein. Depuis la rotation, il prenait des dégâts, là il était Discord, il a du back ici, il était très low, on a pile, il survit, mais du coup il n'y a rien, et en plus on n'est pas synchronisé avec Numlocked, ça me paraît compliqué. La vie de Logix qui fait yo-yo, hein, c'est ça, hein. Beaucoup d'habilités utilisées pour le tenir en vie. Hein. Bon, après là, ça se clean, hein. Ça se clean tout simplement. Il a dit qu'il avait prévu de faire ça? Comment ça? Il avait prévu de jouer H? Oui, probablement, hein, c'était prévu. Numlock, il a fait un Gadan, Mr. President pour Nevix. Ah ouais. Ah bon? Ok, on continue. Là, il va y avoir beaucoup de ressources du côté de Fusion. On n'a pas énormément de ressources pour Toronto. Hein. On n'est pas loin d'avoir la Blade, on a la Window, mais la Window va être difficile à placer parce qu'elle nécessite de prendre de l'espace. Limite, j'aimerais qu'on vienne deny ce top là avec Toronto pour pouvoir mettre une Window sur le top et se split, quoi. Garder des gens au sol, venir des gens au top pour mettre une Window qui force un peu Philly à reculer parce que là, je trouve que Philly, ils ont trop d'espace. Eh bien, on les a pas laissés rotate, ça c'est très très bien. Fusion qui a absolument pas laissé rotate Toronto, qui avait peut-être pour but hein, d'aller au niveau du top. Et du coup, la Window qui s'est vue sacrifiée dans l'histoire. Il y a Brady qui a fait un petit ménage quand même, qui a profité du chaos pour aller chercher la backlane. Et là, on a les spawn advantage. Philly qui va être obligé de back. Et ça, c'est très propre. Ça, il n'y a que les grosses équipes, j'ai l'impression, qu'ils le font proprement. C'est-à-dire de revenir en arrière, de s'attendre, give up des ticks, hein, voire ne pas give up de ticks. Hein. Parce que Fusion a failli ne pas give up un tick, il me semble que Carpe va contest. Mais il n'y a que les grosses équipes que je vois faire des parfaits délais, des parfaits retakes. C'est Choc Paris Philly, c'est les équipes que j'ai vu faire les meilleurs retakes où ils se regroupent tout de suite, quoi. Il n'y a même pas de moment où on essaye de se fight ici, où on chase un peu. Non, non, c'est on vient ici, bam, on va give up des ticks, t'inquiète pas, mais on va gagner le fight. Ils jouent pas un peu trop aggro avec leur compo, genre attendre un pick Toronto. Bah, le truc c'est que Toronto, ils doivent prendre des positions pour avoir des lignes avec leur compo. Du coup, ils sont obligés de venir dans l'espace pour prendre ces lignes. Et ils se font agresser dans l'espace. Pour moi, ça c'est le pick H, là c'est un peu une chaise roulante.
ça ralentit clairement Toronto. Ils sont obligés de jouer autour et de. J'ai dit chaise roulante en français, ça se dit pas comme expression. C'est vraiment une expression anglaise. Wheelchair. Mais en gros, c'est juste que c'est que ça va être compliqué. Il va vraiment falloir pile pour Logix. Ouais, mais du coup, j'aime pas trop l'expression, tu vois, justement. Parce que dire chaise roulante pour bouler, je trouve pas ça super. On va dire bouler. On va juste dire bouler, nous. On va juste dire bouler à la place. Ouais, je suis d'accord, les potes. On va juste dire bouler à la place, c'est mieux. Mais du coup, ouais, c'est un peu un boulet qu'on est obligé de se traîner. Et on est obligé de pile pour lui. Du coup, la front lane, elle a pas, on peut pas s'en occuper. Elle prend la max dès qu'elle engage. Et ouais, Toronto qui est obligé de rotate et de jouer slow, mais qui a pas l'occasion de rotate parce qu'on se fait agresser et qu'on est obligé de. Enfin, que lui il meurt trop vite ou qu'on est obligé d'utiliser trop de ressources pour le garder en vie. Un Macri aurait eu plus de survivabilité juste parce qu'il aurait emmerdé les deux là. Yo, Madame Rena. Donc, là, je dis que c'est taboulé, pas du tout. Heureusement que t'as mis le hashtag analyse. Donc là, hein, on se regroupe tranquillement du côté de Philly. On laisse un tick. Feniastro qui a bien book numlock sur l'agression. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est de nouveau 6, on crée le chaos. Il y a un bon grave. La blade de Brady peut-être pour faire la différence. Ça force la transe. On arrive à tenir. On arrive à tenir côté Philly, c'est pas trop mal. Il y a quand même plus de ressources côté Toronto. Nevix qui est chargé, qui est au duel avec Fury. Oh non, Nevix. Nevix qui va mourir là-dessus. C'est ce fight est fou. Hein. Et c'est Carpe et Issou qui nettoie. L'avantage des compositions comme ça, c'est que t'as toujours ces deux gars-là qui vont survivre la plupart du temps. Hein, s'ils jouent assez safe et qu'ils vont pouvoir gratter à la fin et gagner les fights. Et là, je pense que Nevix, il aurait du grave. Surtout s'il était chargé. J'ai pas vu combien de charges il avait, Nevix, mais pour moi, il aurait du grave. C'était un peu greedy de garder le grave, là. Hein, honnêtement. C'était vraiment greedy de garder le grave. Parce qu'ils étaient en 3v3, tu graves le Squishy ou tu graves l'Azaria, tu la tues. C'est triste parce qu'Agility est tellement bon, mais il peut pas s'exprimer. Ouais, après on a vu qu'il avait fait pas mal d'erreurs hein, quand même. Brady, c'est un joueur qui va être comme ça. Quand il est à son top, c'est vraiment un des meilleurs joueurs que j'ai pu coacher, honnêtement. Quand il est dans ses tops, c'est vraiment un des meilleurs joueurs que j'ai pu coacher, mais des fois il a un decision making qui est pas excellent. C'est vraiment sur le decision making. Mécaniquement, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai eu l'occasion de coacher, hein, honnêtement. Et j'en ai coaché un paquet, même j'en ai vu un paquet. Brady, quand on avait fait le bootcamp en Corée, insane mécaniquement. Sur des plus impressionnant que des mecs comme Shurfour ou Logix, vraiment insane mécaniquement. Et les mecs en face, même les Sparkle et tout, hein, ils les tenaient en respect sur tous les picks, hein, Pharah, Genji, Doomfist. Hein. Brady mécaniquement c'est très très fort. Le truc c'est que son decision making il est pas toujours bon. Et quand il est bon il est vraiment au sommet, mais quand il est en dessous c'est plus compliqué. Et là on a vu les blades 1v5 et ce genre de move, ou quand il commit tout seul avec sa blade, bah, c'est dommage parce que derrière s'il avait joué un petit peu plus smart, un petit peu plus slow, il aurait fait un carnage. À la fin de l'ul de Zen, il doit grave. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Bibi. Je pense qu'à la fin de l'ultimate de Zen, il aurait dû grave tout de suite, Nevix. Là, c'était vraiment greedy. On va revenir avec plus de ressources, mais regardez-moi ça. Regardez-moi Issou, là. Issou, il a son IUM, déjà. Et là, t'as la boule au bide, hein, parce qu'on va pas te laisser jouer au jeu. Je sais pas si Philly va avoir le temps de se regrouper, mais si tous les joueurs de Philly sont là, on IUM, on engage, hein. Il n'y a toujours pas de. Il y a toujours pas de Macri, donc. Ce diable dissous. Est-ce qu'on est tous là? Non, on n'est pas tous là. Hein. C'est la chance qu'a Toronto, c'est que l'Azaria est un petit peu lente. Du coup, on a pu prendre l'espace. L'IUM, il est très bon. On engage tout de suite. Oh là là. Et au final, on va clean, hein. On va clean au final. Hein. Philly qui a laissé l'espace jusqu'à ce qu'ils soient 6. Et quand ils étaient 6, ils ont repris l'espace. La synergie collective était meilleure du côté de Philly. La synergie collective était meilleure du côté de Philly. Hein. Ce qui est dommage parce que Toronto, ils sont vraiment capables d'être bons en termes de synergie. Hein. Et là, je trouve que ça soit sur Numbani ou sur celle-là, la compo est dure à jouer. Pas impossible, hein, mais dure. Comparé à la composition de Philly qui est très straightforward. Voilà, la bulle qui a été ratée, ça permet d'avoir un bon grave. Et Karif qui a mis une bonne window cette fois-ci, bien dans l'open.
On va réussir à cap dans l'overtime. Lancer de drone de Carrie, ouais. Là, c'était Michael Jordan. On va réussir à clean. C'était dur, hein. C'était dur. Qu'est-ce que c'était dur. Mais ça passe. Après, une fois de plus, hein, ils ont peut-être pas eu beaucoup l'occasion de s'entraîner contre ce qu'a joué Fusion. Et ça peut faire la différence. Ils ont peut-être pas eu l'occasion de jouer beaucoup contre ce que jouait Fusion et contre une équipe qui avait le niveau de Fusion sur la compo. Et ça a dû faire vraiment la différence. Du côté Fusion, le pick Diva aurait été viable à la place de Winston. À la place de Winston, non. Non, il te faut un main tank, il te faut un shield, même si c'est une bubble. Et il te faut quelqu'un qui fasse du disrupt. Tu peux pas jouer Diva Zarya. T'es obligé de... Un Bob en 4 minutes. Et ouais, un seul Bob en 4 minutes, c'est la preuve qu'il peut pas trop s'exprimer sur le pick. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas la faute de Logix, hein. Clairement pas la faute de Logix, c'est juste que c'est très très dur. Sado qui agresse Numlocked là, tout de suite, et encore une fois, on joue autour d'un hack, Numlocked qui commit. Numlocked qui commit, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, pourquoi commit en fait, hein. C'est pour moi, c'est à Fusion d'agresser. Le problème, c'est qu'il y a un Zenyatta, du coup, c'est dur en fait, c'est vraiment très dur à jouer. Hein. Pour moi, il aurait fallu un truc capable de tenir le sustain et que Toronto avance avec la compo et détruise un petit peu tout ce qu'il y a devant sur leur front, mettre de la pression sur la front. Plutôt que d'essayer d'aller sur la backlane, alors que c'est impossible d'aller dive ce trio-là. Et en plus d'être faible à leur dive. Tant que ces deux-là sont ennuyants et qu'ils demandent des ressources de la part de Toronto, eh bien on ne peut pas aller emmerder les autres. Comment est-ce que la méta est passée de Reign Sigma à Monkey Zarya en 2 sucks? Bonne question. Bonne question, j'ai posé la question à Nico et même eux, ils n'ont pas vraiment forcément la réponse. Parce que il y a des équipes qui sont mises à jouer ça. Ça passait bien. Mais pour moi, des compositions rush avec Reign. Alors là, la map, c'est une map Winston de toute façon. Hein. Mais des compositions rush sur certaines maps, d'ailleurs c'est pour ça qu'on en voit toujours, sont tout à fait viables contre ce qui se joue ici. Hein. C'est une question de map aussi. Hein. Mais je pense que les grosses équipes se sont mis à jouer ça et qu'il y a pas mal d'autres équipes qui ont voulu suivre un petit peu le mouvement sans forcément essayer de duel avec leur propre compo. C'est ce qu'a fait Paris d'ailleurs. Ce que nous disait, c'est que Paris a pas voulu essayer de faire marcher ce qu'ils avaient. Ils savaient que ça c'était méta et que c'était fort et qu'ils pouvaient le jouer qu'ils avaient les joueurs pour le jouer. Du coup, ils se sont mis à le jouer directement. Et ça vient en effet de la zone Asie où on voyait beaucoup de Monkey Zarya. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est parce que en zone Asie, ils jouaient ball et que du coup, on s'est mis à avoir des Winston. Ça, je suis pas tout à fait d'accord pour la simple et bonne raison que moi, s'il y a une ball, bah, tu prends ce personnage. Et si la Sombra tunnel vision sur la ball, elle peut pas jouer. T'as pas besoin de switch Winston. Hein. Tu peux jouer la même chose, tu peux jouer de la rush avec une Sombra et juste ta Sombra va devoir tunnel vision sur ball. Mais après, on peut théorycraft pendant des heures, mais la réalité c'est que les équipes vont faire des choix et c'est pas forcément le meilleur ou ouais, c'est pas forcément le meilleur, mais ils sont viables. Tant que les autres équipes jouent pas quelque chose qui contre ce que tu joues, t'es pas forcément obligé d'avoir la meilleure comp. Ah, encore une fois, la logique, ça, on a utilisé une bubble pour le faire survivre, mais il a peu de mobilité, il peut pas vraiment. Il est obligé de jouer dans l'open pour tirer, il se fait pique. Philly qui va continuer d'agresser. Alarme, hein. Ouais, bah Alarme en fait il est free. Hein. Alarme il est free parce que Toronto peut pas le dive correctement et ne peut pas non plus le duel correctement. Logix qui est obligé de prendre des lignes pour le duel et c'est le Zen qui va gagner contre la H. Hein. Surtout avec le pile et les ressources qu'on utilise pour garder Alarme en vie. Zen c'est un vrai damage dealer. Hein. Moi j'ai plus peur d'un Zen que d'une H hein, en 1v1. La Discord, le clic droit, il y en a des ressources. Bonne rage primordiale là, mais une fois de plus, hein, on peut pas commit dans cette room. Hein. On peut pas commit dans cette room. Après, ce que fait Numlock là, ce qui est bien, c'est qu'il découpe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la compo qu'aurait dû jouer un peu Toronto, la façon dont ils auraient dû jouer tout à l'heure, c'est un petit peu ça que je disais. C'est-à-dire, on découpe l'équipe adverse en deux. Numlock, il zone juste ses personnages. Et ensuite, le reste de l'équipe joue ensemble. Et pile
pour tout le reste. Et c'est ce qui est en train de se passer. La Sado qui s'est fait pile correctement. La Toronto qui a bien joué le coup. Il reste que 45 secondes, cela dit. Il y a énormément de ressources du côté de Philly. Et d'ailleurs, c'est les ressources qui vont faire gagner, je pense, Philly. Oh ! Oh ! Attendez, la Cruz, il nous a fait un truc. Il nous a fait un petit clutch, là, quand même. Qu'est-ce qu'il nous a fait, la Cruz ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça sur le sur l'ultimate de son bras. Sur l'ultimate de Issou. Regardez-moi ce qu'il va faire, Cruz. Voilà, il pile. Dommage, on se fait tuer. Regardez, regardez ça. Boum ! Le stun sur la Sombra au moment où il utilise son IEM. Parfait timing de la part du joueur anglais. Qui cancel l'IEM là-dessus. Let's go, Cruz. Là, c'était propre, ça. Hein. C'était propre, hein. Denied de l'IMP. Blade derrière. Après, ça brawl dans tous les sens. Il y a un grave. Oh, c'est Carpe, malheureusement. Carpe. Carpe, là, derrière, qui allait chercher la backlane. Et on revient avec un doudou. Ah là là, Carpe, là, qui a clutch, hein. Cruz qui a failli faire gagner ce teamfight. Hein. Un peu châteux, mais très clair, je pense pas. Hein. Je pense pas parce que il arrive vraiment au meilleur timing. Hein. Après, est-ce qu'il voulait simplement cross d'un top à l'autre? Quand même, hein, j'ai l'impression qu'il attendait le bon timing et qu'il attendait vraiment que la Sombra se pointe pour IEM. Après, il aurait pas dû IEM là. Hein. Carpe l'enfer en effet. L'enfer sur terre, Carpe. Qui fait simplement sa vie et qui va tuer. Hein. Je crois qu'il voulait juste cross. Je suis pas sûr qu'il voulait juste cross. Je pense qu'il attendait quand même la Sombra, les gars. Je pense qu'il en attendait quand même la Sombra. Il a tenté. Hein. C'était greedy, mais il a tenté. C'est un peu comme la ligne tout à l'heure d'alarme. Il y a une part de chance parce que tu tires dans la ligne et tu te dis... Mais tu le sens. Il y avait une petite phase d'ultra instinct quand même. On peut pas dire alarme ultra instinct et Cruz chat. Hein. C'est interdit. C'est interdit, les gars. On peut pas choisir qui a de la chatte et qui est en ultra instinct. Allez, on a jeté un œil à ce match entre Philly et Toronto. On a vu que les compositions de Toronto, notamment sur Numbani et Volskaya, étaient dures à jouer et que c'était très compliqué en termes de win condition côté Toronto, alors que c'était assez straightforward côté Philly. Mais encore une fois, je pense qu'on n'était pas prêt, qu'on n'avait pas l'opportunité de jouer contre une équipe aussi forte que Philly, contre la composition de Philly également. En scrim, et on a senti qu'on était un petit peu perdu en termes de qu'est-ce qu'on doit faire contre ça. Je suis sûr qu'avec un petit peu plus de préparation ou avec l'opportunité d'avoir joué, avec un peu plus d'opportunité de jouer contre ce qu'avait joué Philly, on aurait eu un bien meilleur match du côté de Toronto. Moi, je suis pas trop inquiet pour Toronto quand même. Il y a des bons joueurs, le coaching staff est fort. Certes, ils viennent de perdre assez lourdement contre Philly, mais c'était pas un match à gagner. C'est pas ces matchs-là qui doivent gagner Toronto. C'est les matchs qui arrivent encore. Il en reste 2 sur 3 à remporter, si je dis pas de 2 sur 3. Comment est-ce possible? Non, il en reste qu'un. Comme tout le monde, il en reste qu'un. Non, un ou deux. Un ou deux. Est-ce qu'il serait pas un peu bas, mon mic? Non, normalement, c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon, Yael Sama là. Je peux le monter un tout petit peu, hein, cela dit. Regarde, hop, il est monté. Yo, Nemsu, comment tu vas? Merci pour les follow, les potes. Hein. Je vous dis pas depuis tout à l'heure, mais... merci à tous. Et bienvenue. Je pense qu'il voulait cross et buffer le Winston avec son ulti. Enfin, GG à lui. Ouais, enfin, GG à lui. Je rentre du taf au bon moment. Salut les potos. Yo, Ruse, comment tu vas? Et donc, du coup, on a fini le match Toronto-Philly. On va simplement se pencher sur une map du côté de Paris dans son refait le match. C'est Busan. Busan, la toute première map de ce BO entre Paris Eternal et Los Angeles Gladiators. Et on va parler de plusieurs choses. D'abord des compositions jouées, mais aussi de la façon dont Paris a dicté le tempo, qui était vachement important. Et pour le reste de l'analyse, les maps suivantes, parce qu'on ne va pas couvrir toutes les maps, on aura fait 4 maps dans son refait le match, c'est bien. Il y aura Hammer qui fera un live demain. Il y a Hammer qui fait un live analyse demain soir, si je ne dis pas de conneries. Du coup, vous pourrez aller le regarder. Et en plus, vous pourrez comparer nos différences de points de vue et d'analyse et dire oh, « Putain, il est meilleur que lui » ou « Lui est meilleur que lui », hashtag analyse, incroyable. Donc déjà, regardez ça. Moi, il y a un truc sur cette map-là. Honnêtement, Gladiators, honnêtement, là, quand on regarde les compositions en haut, pour moi, Paris, ils ont déjà un gros avantage. Paris, là, ils ont déjà un gros avantage. Attendez, hop, juste, tac. Je modifie ça.
Paris, ils ont déjà un gros avantage sur la map. On a un McCree qui va être fort contre Acer et qui va être fort contre Genji. Globalement, McCree, c'est un bon pick. Hein. C'est un bon pick, on l'a vu, on en a parlé plusieurs reprises. On l'a vu même dans Toronto Philly, la map où Toronto joue McCree. Globalement, la Tracer son bras ne peut pas jouer. Mais il y a aussi un autre point, c'est une grosse différence, c'est ça. On a une backlane avec un Zenyatta qui donc doit prendre des lignes et doit jouer dans l'open. Et doit jouer slow. Et du côté de Paris, on a une backlane Brickbap. Et la backlane Brickbap, donc déjà, eux deux, ils vont pas avoir grand-chose à dive du côté de Gladiators. Mais en plus de ça, si Paris arrive à prendre l'espace très tôt, à prendre l'espace rapidement, le Zenyatta va pas pouvoir s'exprimer. Et si le Zenyatta s'exprime pas, eh bien, il n'y a pas vraiment de win condition. Et le fait qu'il joue avec un McCree qui va pouvoir jouer avec le pack, Paris vont pouvoir globalement jouer quasiment tous ensemble. Le Winston, il jump, le reste de l'équipe avance. Et on connecte, on brawl. Parce que là, il y a une capacité de brawl qui est beaucoup plus importante avec Brickbap qu'avec Babzen. Hein. Il y a un drone, il y a beaucoup plus de heal. On a vraiment beaucoup plus de compétences pour brawl au contact de l'adversaire que n'a Gladiators qui va devoir jouer comme une semi-poc. Et j'aime pas du tout jouer la semi-poc sur cette map de Mecha Base parce que si Gladiators perd ce fight... Si Gladiators perd le fight, ils ne pourront quasiment jamais retake. Tout simplement parce que comment tu retake avec un Zenyatta ici alors qu'il y a Brig et Bab qui t'attendent là? T'as Brig et Bab qui t'attendent, ton Zenyatta il a aucune ligne de tir. L'équipe est des deux côtés, le Zenyatta il cross, il meurt. Du coup le Zen ça va être très compliqué pour retake. Et je préfère largement, ouais c'est une dive brawl. Allez, une dive brawl. On a la poké brawl, là c'est une dive brawl ce que nous joue Paris si vous voulez. Mais ça reste une poké brawl avec un Winston. Hein. Avec Winston Zarya, c'est aussi une poké brawl. Tu peux poke avec Zarya, avec Kree. Donc Paris qui prend l'espace. Sparkle là qui a réussi à kill Birdring. Et tout de suite on va réduire la distance hein, côté Paris. On a vu ils ont un Zen, on réduit la distance. On les annihile. Ça déglingue. Monkey Brawl. Allez, Monkey Brawl si vous voulez. La diving Poké Brawl. Ça fait beaucoup de... une brave. N'hésitez pas. Et on commence à charger. Paris qui du coup là maintenant est quasiment dans une position... ou si je suis Shaz, je switch instantanément pour un BAP. Mais on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire côté Gladiators. Et là, Paris va devoir tenir au choc. On les voit, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts. Ils se cachent pour pas prendre le poke. Et pour pas se faire crossfire. Mais derrière, dès qu'on va cross, on va les punir. Là, on gagne du temps. Il n'y a rien à faire. Très, très bien. Hop, ils ont pris l'espace. Et direct, Paris, bim. Hop, on prend l'espace également. Et on détruit tout ce qui bouge. On peut pas venir dans l'open. La backlane hein, qui peut pas venir dans l'open. Anbin qui s'est fait plaisir là-dessus en plus parce qu'Anbin était très chargé. Parce qu'il y a un Zenyatta qui tire. Ouais, bah tu vas charger ta Zarya. C'est parfait. Laissez-le tirer. Et du coup, le Zen peut pas cross. Et vous l'avez vu, hein, dès que le Winston de Nosmite est arrivé ici, ils ont été obligés de reculer instantanément tous à l'intérieur. Du coup, l'équipe est split en deux. On tue ce qu'il y a ici et après on avance sur ce qu'il y a là. Une vie moyenne pour OG. Ouais, pas la meilleure vie. Yo Babov, comment tu vas? C'est bien passé le cast au fait à ta bro? C'était cool de te voir au cast de l'Overwatch League. C'était très très cool. Hein. Je t'avais dit qu'on te reverrait. J'espère qu'on te reverra encore. J'ai écouté un petit peu, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais. Là, très très bon grave aussi, on les laisse pas sortir. Hein. On les laisse pas sortir, une fois de plus, dès qu'on cross le choc, bam, on utilise des habilités, on engage, on veut surtout pas les laisser respirer. Et tu t'en fous d'utiliser des ressources, parce que là, tu vois, on a utilisé deux ults, mais au coup d'après, on va en avoir d'autres. Et eux, ils ont même pas le temps de charger correctement leurs ults. On va à peine avoir... OG, il est à peine à 61%, on n'a pas encore de grave, il y a enfin Chaz qui va avoir sa transe. Et encore, c'est parce que je pense qu'il a fait beaucoup de healing, et je sais même pas comment il a pu mettre des têtes, parce que c'était compliqué pour lui de cross. La plupart des autres Zenyatta auraient été à 40%, mais là c'est Chaz, enfin peut-être pas 40, peut-être 70. Mais l'agression de Paris qui était très bonne. L'agression de Paris qui était très bonne à chaque fois. Et là, regardez, hop, ils ont beau avoir des ults, Paris qui en a aussi, donc... Gagner des fights avec un ou deux ults à chaque fois quand vous avez les positions, c'est vraiment le mieux. C'était fou ce match, les pauvres gars n'ont rien pu faire. Ouais, c'est clair. Bon, là, Xy en plus qui récupère Tracer, la puissance du Macri, et hop, on agresse tout de suite au chop.
on agresse tout de suite au choc, on utilise des ressources. Et au final, la transe de Chaz qui arrive très très tard. Très très tard, la transe de Chaz. Pour moi, j'aurais claqué instant. Et d'ailleurs, vous allez voir, Chaz à la fin va tellement claquer instant ses trans. Vous verrez ça avec Hammer. Si vous regardez son analyse. Et là, on peut toucher. Ouais, on peut toucher, mais on engage encore une fois au choc. On les laisse pas sortir. On s'en fout de céder le point à la limite, on les tue. Chaz, le pauvre, qui est tout seul avec son Zenyatta, il peut rien faire. À la fin, Chaz, il va utiliser ses ults en overreact tellement dès qu'il les utilise un petit peu tard, il y a son équipe qui meurt. Il va finir par les utiliser limite à chaque fois qu'il se fait agresser. Ou à chaque fois que Paris agresse. Et ça, c'est, ils sont rentrés dans sa tête, quoi. Ils sont rentrés dans sa tête. Très cool, un vrai plaisir de caster des soirées comme ça. Oui, je devrais revenir, je pense. Bah, let's go là-dessus. Très nice, en tout cas. Pourquoi j'ai pas cette lumière qu'allumée? Oui, Chaz, après, il avait la trans facile. Ouais, il était traumatisé. Et là, sur cette map, alors, autant sur la map précédente, je suis pas du tout d'accord avec la backlane Brick Zen. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est une erreur strat de la part de Gladiators de jouer Brick Zen face à ce que jouait Paris. Autant sur cette map-là, il y a un peu plus d'open, c'est un peu plus possible, mais ça reste moins bon. On va dire que je tolère un petit peu plus la compo. Et encore, si ils se mettent à jouer la Sombra Tracer. Xy, il est toujours sur Cree, vous allez voir. On va se mettre dans la vue de Xy. Hein. Xy, il s'en fout littéralement. Hein. On va jamais l'emmerder. Autant la hache tout à l'heure, on a vu que c'était l'enfer sur terre pour elle, hein, la hache de Logix. C'était l'enfer sur terre pour elle de jouer au jeu. Autant là. Justice a fait un super match. On va parler d'eux. Alors, pas ce soir, pas dans le refait le match custom, mais en effet, Justice qui a réussi à gagner. Et on en parlera demain dans les news. On en parlera demain dans les news à 14h. Oh là! Xy qui a quand même pris la max là-dessus. Vous allez voir, contrairement à une hache, le fait qu'il ait... il les cherche en plus. Hein. Le fait qu'il ait sa flash, ça lui permet d'être beaucoup plus tranquille, Xy. De pouvoir... voilà, de pas avoir la boule au bide. Bam, il entend un bruit derrière lui. Il se fait pas hack, contrairement à hache qui va être obligé de s'échapper. Et puis ensuite, on avance avec l'équipe. Il reste au milieu de l'équipe. Hein. Vous voyez le Macri, il reste au milieu de l'équipe et lui, il peut se permettre de continuer d'avancer. Là où la hache, elle est obligée un petit peu de s'arrêter. Elle peut pas faire ce que fait là Xy, c'est-à-dire j'avance, je tire. C'est pas possible pour une hache de faire ça. Alors que pour un Macri, c'est tout à fait naturel hein, de jouer au milieu de l'équipe, de se faire pile par tout le monde et de continuer à cliquer sur des têtes. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus simple. Ça c'est insane, ouais c'était insane. Le turn flash c'était insane, mais ça c'est niveau Overwatch League quoi. Il joue très très bien, c'est un gros move, mais c'est limite, c'est pour ça que le pick Macri est force, parce que les joueurs sont capables de faire ça. Un Lixer il aurait fait pareil, beaucoup de Macri en Overwatch League, même pas les top Macri qui l'auraient fait. Là par contre le frérot il s'est mis dans l'open face à un Zen, ça, que tu sois une H, un Macri ou ce que tu veux, tu prends ta riff. Mais Paris tout de suite, hein. Paris qui va chercher la backlane. Hein. Et Sparkle qui trade. Plus de backlane. Du coup compliqué. Le duel Anbin Mirror, il y avait une bulle d'avantage en plus pour Anbin, donc il aurait forcément gagné le duel même en 1v1. Et on va devoir reset. Du coup tu penses que sans le hero pool, là on va encore avoir des compos dive brawl. Non, on va avoir, je pense, Orisa Sigma Genji comp. Ce qu'on a eu au Summer Showdown. Et Paris a gagné sur ces comps-là. Hein. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Xy, le shérif et Sparkle, l'assassin. Ouais, c'était un peu ça sur cette map. Rally du côté de FD. Un petit peu early, celui-là, je me rappelle. Mais derrière, on agresse tout de suite. Du coup, ça supporte l'agression. Notamment Sparkle qui avait un peu d'armure. Je m'étais demandé s'il n'était pas un petit peu trop tôt, mais au final on continue d'agresser. Et il touche jamais le point en fait. Gladiators, ils ont pas touché le point une fois. Et de toute façon, c'est ce que je disais, tu gagnes un fight avec un ou deux ultimates, t'as une rotation qui est parfaite jusqu'à la fin. Et Paris les a jamais laissés respirer. Et ils ont pu faire ça parce que Gladiators jouait avec un Zenyatta. Et du coup, il leur fallait l'espace. Et Paris a bien compris la win condition. Vous jouez avec Zen, nous on vous laisse pas respirer. Le grave qui est lancé directement. Également, il va se faire annihiler. On n'aura même pas eu le temps d'utiliser la trans du côté de Chaz. Je vous dis, hein, là, il les fait un petit peu tard, ces trans Chaz. Après, il va les faire beaucoup trop tôt, tellement il va overreact. La blade de Sparkle. Et on va terminer tout le monde. On découpe. 200-0 sur ces maps, les potes. L'agressivité de Paris. Et c'était ça que je voulais vous montrer simplement en fin d'analyse. C'était la proactivité et le fait de jouer une backlane plus agressive. Et justement, de bien lire la win condition.
Paris a bien lu sa win condition, il savait qu'il devait agresser. Et du coup, il ne laissait pas l'open, il ne laissait pas un seul espace aux Iñata de Gladiators. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quelle que soit la compo que vous jouez, il y a des win conditions, il y a des lose conditions aussi. Il faut savoir jouer sur ses forces et éviter de laisser l'adversaire, lui, jouer sur les siennes. Et c'était en effet un speedrun, parce que d'un côté, on avait des Gladiators qui n'arrivaient pas à dicter leur jeu, et ne serait-ce qu'à prendre un open pour pouvoir profiter de leur win condition qui était le POC du Iñata. Et en face, il y avait Paris qui était nous, notre win condition, c'est là. Et ils l'ont respecté jusqu'au bout. C'était très straightforward en plus. Donc, c'était assez simple à jouer en termes de collectif. Hein. All-in ensemble, c'est plus simple que de devoir peel, puis fight back, puis etc. etc. Et bien, belle victoire en tout cas sur cette map de Busan. Hammer, tu feras quelle heure ton analyse demain là ? Mets-nous dans le chat à quelle heure tu fais ton analyse demain. Que les gens soient au courant, qu'ils puissent venir voir la suite des maps de Paris justement. 19h comme d'hab. Demain 19h, il y a Hammer qui fait la suite des maps de Paris en analyse. Vous êtes au courant maintenant. Vous referez Busan, mais vu qu'il y a pas masse à dire. Ouais, mais j'avais envie de parler un petit peu de cette agressivité. Du coup, je me suis dit j'allais faire juste cette map, comme je sais que demain tu fais l'analyse des autres. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, vous aurez la suite de l'analyse de ce match à 19h sur la chaîne d'Hammer Kick. Le match va toucher à sa fin, les potes. Ça fait plus de 2h, ça fait 2h10 qu'on est en live. On s'est fait Philly Toronto, on s'est fait une map de Paris. On a parlé justement des différences, le Macri versus la AH, les compositions all-in, les compositions un petit peu plus POC. On a pu voir un petit peu aussi Poco. Ça nous a fait plaisir de voir Poco d'ailleurs rester jusqu'au bout, parce qu'on va aller host l'ami Poco et on va aller spammer des verres hein, par rapport à notre petite altercation humoristique sur Twitter hier, que des gens ont pris très premier degré. Moi, je vais vous faire des bisous, je vais vous donner rendez-vous à demain à 14h pour les news. On fait les news demain à 14h, il y en a une ribambelle de news à couvrir sur Overwatch. 14h rendez-vous, 1h de news, et après derrière, peut-être un peu plus, on verra, et après derrière, on partira sur du thème des familles. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée tout le monde, à très très vite, ciao les gars, et restez comme vous êtes au top, meilleur commu, bisous les pépites, à demain, ciao ciao. Ont lancé un projet pour créer des machines de guerre humaine. Au début, je ne comprenais pas, mais je sais enfin qui je suis. Beaucoup salauds, traîtres, j'entends. Même des... Mais non, merci pour le host. En face, gros, ils sont éclatés. Hein. Va falloir que. Hein. Aïe. Les verres sont levés. Hein. Let's do. En face, ils ont arrêté. Hein. C'est fini. Terminando. Ah, c'est big. On y croit. Encore un peu. 4 secondes. Ouais. Ah, attendez, laissez-moi remplir mon Pokédex. Hop. Lui, il y va.